YouTube, Word une fois n'est pas coutume. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2019. Je regarde le reportage des familles nombreuses. Qu'est-ce qu'ils sont courageux, ces parents-là. Et j'ai pas chômé. Alors, je suis toujours emboucanée de la sphère nasale. Mais déjà, je me suis occupée de ma page, le kiosque de Jenny. J'ai trié, j'ai encore beaucoup de tri à faire au niveau des livres. Parce que quand je te dis que j'en avais beaucoup au garage, j'en avais vraiment beaucoup. J'ai remis des dispos sur le compte et j'ai traité tous les messages que j'avais par le biais de Messenger. Et pour parler bouquins, passer par Messenger, c'est beaucoup plus pratique. Et là, je fais une grande ventile de la maison parce que bah, ça éternue, ça tousse, ça racle et faut faire virer les crobes. Je voulais aussi te faire voir le fumoir en activité, l'encensoir. Alors, on m'a évoqué l'idée que ça pouvait être un purificateur de pierre pour les personnes qui purifient à l'encens. Mais la problématique, vois-tu, c'est que... Attends, je te montre. C'est que je n'ai que très peu de place pour mettre les pierres. Et sinon, toute la cendre de l'encens, elle tombe sur les pierres. Alors, pourquoi pas en mettre une ou deux, notamment quand c'est des bijoux, oui. Mais alors, qu'est-ce que je fais brûler comme encens? Attends, changement de main. Comme encens, je fais brûler celui-ci. Le Nakshampa. Au début, j'avais beaucoup de mal avec cet encens-là, mais vraiment beaucoup de mal parce que je trouvais que ça sentait vachement l'église. Et puis, écoute, je m'y suis faite, mais grave. Donc, voilà. C'est très joli. C'est très mystique. Bah, écoute, sinon, dehors, franchement, le temps, il est plutôt agréable. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, certes, mais il y a soleil et il n'y a pas de pluie. Donc, je te montre hein, bah, le point météo, forcément. Soleil. Ça va, le boubou est sur mon mât? Dis donc, est-ce qu'on avait dit qu'on veut pas que le nono s'y soit dehors? Tu bronzes? T'as bien raison, va, profite. T'as vu l'herbe comme elle est redevenue verte? Ouais, ça c'est les joies de la météo. Quand ça pleut, bah, la pelouse est plus jolie. Ça n'est rien à péter, maman. Hein, c'était pas très prévu que je te prenne un dimanche, mais je t'ai pris un dimanche parce que tout à l'heure, là je m'octroyais une petite heure de lecture, tout à l'heure je vais te montrer la semaine prochaine, donc la semaine 41 de mon bullet journal, et je t'avais dit dans le vlog de la semaine dernière que je me rappelais plus du titre du livre que j'étais en train de lire, c'est donc le livre de Maxime Chatham, La patience du diable, et c'est lui qui me fait avoir des petits cauchemars des familles. Oh oui, hein, on est un petit peu... Ce que j'ai lu, c'est le plus petit côté. Hein. On est un petit peu en termes de pavé, mais ma foi, ça se lit très bien. Et une fois de plus, on est... Je te disais, on est vraiment sur un bouquin que... Lequel je trouve l'écriture au top. Comme je te disais dans le vlog de la semaine dernière, c'est tellement bien écrit, tellement justement dosé au niveau des propos, des mots, des descriptions, que tu arrives en 3 secondes à te transbahuter dans la scène, quoi. Tu vois, c'est vraiment superbement écrit et tu bouffes le truc. Alors forcément, quand t'es sur un pavé comme ça, tu bouffes le truc, tout est relatif, mais t'es très vite embarqué dans les scènes, l'histoire, le... Voilà. Bon, après, c'est une lecture âme plutôt sensible, je te dirais pas s'abstenir, mais c'est un petit peu... Voilà, on y va dans les détails, hein. Odeur cadavérique et compagnie, on est dedans, hein. Le soleil vient pas de se lever parce qu'il est 6h18 du matin, mais il arrive quand même un petit peu, la migouléante. Voilà. Bonjour, lundi 7 octobre 2018, jour où je vais passer tous mes examens. Donc autant te dire que la nuit fut un petit peu... J'ai dormi, c'est déjà l'essentiel. Mais j'ai eu plusieurs réveils. Voilà. Bon, YouTube World, c'est l'heure du point bullet journal parce que je ne l'ai pas fait hier, forcément j'ai oublié. Mais comme il n'est pas 7h du matin et que va venir le temps où je vais devoir un petit peu planifier... la journée d'aujourd'hui et puis les autres. Je voulais te faire voir ce que j'ai fait. Alors, j'ai fabriqué du papier vieilli, un petit peu craquelé comme ça.
Et j'ai fait une petite illustration poussière de lune pour dissiper les cauchemars. Prenez une pierre de lune, râpez-la et soufflez sur la poudre obtenue. Ouais, c'est un petit truc un peu marrant, j'ai dessiné une petite étoile. J'ai fait ma semaine avec le reste de papier que j'avais fabriqué, papier vieilli, parchemin. Et ici j'ai collé, c'est une vraie rose séchée. Hein. J'avais des fleurs séchées dans un bouquin et j'en ai pris une, c'est une vraie. Hein. C'est pas un sticker sous quoi caisse. C'est vraiment, tu peux voir au relief que c'est vraiment une vraie rose séchée. J'ai mis une petite citation ici. Chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit. Très simple, ma planification de la semaine. Le sommeil, parce que ça j'aime bien, jeter un petit peu un œil comment ça se passe au niveau du sommeil. Les idées vidéo éventuelles. Comme ça après, tu vois, ça me permet de revenir, de piocher. Pas quand je suis en mal d'idées, mais tu vois, quand je veux renouveler un peu, que j'ai eu des idées à ce moment-là et que je ne les ai pas tournées. Et là, j'ai mis la lune et le rêve du soleil avec le restant de petits papiers. Voilà pour cette semaine 41. Et puis, si j'avais un reste de ce qu'on appelle, je crois, dans le jargon, masking tape, et j'ai fait des petites démarcations comme ça. On est très simple pour cette semaine 41, mais je trouve ça, écoute, je trouve ça très très joli, avec des petits effets, voilà, pour que tu vois un petit peu mieux, des petits effets paillettes comme ça, hop, ici c'est pareil, et ma petite rose, voilà, écoute, simple, efficace, et ce que j'aime dans le bullet journal, c'est vraiment cette possibilité de faire véritablement du 100% à ta sauce, même si je t'avoue que je manque un peu de matériel, comme tout ce qui est masking tape, les petits adhésifs comme ça. Parfois pour faire des petites décos et tout, je trouverais ça, donc il faudrait que je me fasse violence et que quand ma fille me propose d'aller chez Action, j'aille avec elle, au moins pour juste acheter ça, parce que j'ai vu qu'il y avait un rayon où il y avait pas mal de petites choses pour faire des toutes petites décorations, mais vraiment légères, hein. Je veux vraiment garder le bujo dans l'idée que c'est moi qui fais, par exemple le papier vieilli, c'est moi qui fais, de base ça part d'un papier tout à fait normal, lequel je mets du café dessus, et que je fais sécher à 150 degrés au four à chaleur tournante, tout en laissant une surveillance parce que ça sèche très vite. Voilà, c'est moi qui fais tout ça. Mais avoir des petits décos, voilà, pour agrémenter un petit peu, ce serait pas mal. Voilà pour cette semaine 41. Je n'ai pas fait de page libre expression parce que je n'avais pas tellement... j'avais pas de motivation à m'exprimer, j'avais surtout rien sur lequel m'exprimer. Mais si ça arrive dans la semaine, je te ferai voir la page Libre Expression. Voilà mes petits cadets pour cette semaine 41 que je vais maintenant remplir. Mais je voulais te faire voir quand c'est encore vierge, parce que ce qui est écrit là après ne regarde que moi, vois-tu. Ça y est, j'essaie de combattre le stress des rendez-vous médicaux en m'occupant l'esprit et les mains. Je viens de finir la mise en place de mon nouvel évier avec la transition éponge-brosse, liquide vaisselle, savon de Marseille, j'ai fini hier au soir mon liquide vaisselle et donc mise en place. Je vais te montrer, ça fait très bizarre, ça fait tout nu et je dois t'avouer que j'ai nettoyé mon évier de fond en comble avant de faire l'installation et que j'ai essayé de le faire sans javel puisque j'essaye de transiter mais que j'ai pas les résultats que j'ai escomptés. Je te montre et puis comme ça tu verras mieux plutôt que je te tchatche pendant une demi-heure. Donc alors ici, cette brosse, c'est celle pour la vaisselle et celle-là, c'est une que j'avais achetée à moindre coût que je vais utiliser pour nettoyer l'évier. Ici, j'ai mis, tu sais, la brosse en fibre de coco pour récurer un petit peu s'il y a de la vaisselle qui est un peu plus résistante. Là, j'ai installé le savon de Marseille, donc de la marque Fer à Cheval, sur un porte-savon en loufa que je vais tester pour voir si c'est correct ou si... comme beaucoup me l'ont dit, il y a de la moisissure qui se forme. Et j'ai dégagé les pousse-pousses pour remplacer par un savon pour le lavage de main, donc sur un porte-savon, ma foi, tout à fait lambda. Et donc là, pour te faire voir, mon évier est censé, hein, je dis bien est censé, hop, est censé être propre, sachant que là, j'ai utilisé un mélange percarbonate de soude et avec un peu d'eau que j'ai utilisé dans l'immédiat pour garder toutes ses vertus. Et comme tu peux le constater, moi, tout ça, ça ne me plaît pas. Alors forcément, c'est un évier qui date franchement de Mathusalem, mais en temps normal, avec la Javel, j'arrive quand même à avoir un peu plus blanc. Et là, ce n'est pas spécialement le cas. Donc, je vais essayer de trouver des petites astuces
Donc voilà, bah, ça fait tout vide. Hein. C'est vrai que la bouteille de PEC, elle prenait beaucoup de place. Ça fait tout vide. Donc bon, bah, écoute, maintenant, je vais rentrer dans la phase test et je te tiens au courant dans la semaine de comment ça se passe. J'y crois pas trop, pour être honnête. Hein. Parce que vous m'avez donné l'astuce, remplace la Javel par le vinaigre blanc. Alors, je suis bien d'accord avec ça, que le vinaigre sert à tout et je suis la première à l'utiliser pour beaucoup de choses. Mais par contre, le vinaigre n'a pas fonction blanchissante. Donc, j'ai beau mettre une bouteille entière de vinaigre blanc sur mon évier, ah, ça va détartrer, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ça ne blanchira pas les parois. Donc, il faut vraiment que j'essaie de trouver un subterfuge à ça. Parce que non, là, l'état, alors toi, ça peut te paraître clean, propre, brillant et compagnie, mais pour moi, l'état, le fond de l'évier qui, lui, est vieux, donc pas spécialement, c'est pas sale, là, hein, tout est propre, j'ai frotté, 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 mais j'ai le sentiment que c'est sale quand je regarde et ça, ça me dérange, voilà. J'ai l'impression que je vais laver ma vaisselle dans un évier sale et ça, potentiellement, en tant que monk qui se respecte, ça me dérange un petit peu. Après, je ne peux pas aller plus loin que la vétusté de mon évier, j'entends bien, et je ne peux pas le changer. Donc, comme ça, l'affaire est réglée. Mais il faut que je trouve un autre moyen pour que ça me paraisse, à mon visuel à moi, un peu plus propre. Bon, j'ai rattrapé un petit peu le coiffu et j'ai fait un petit maquillage tranquille, vite fait, bien fait, histoire d'avoir bonne mine. Parce que bon, ça va, ça va. Donc là, on est dans l'heure du midi. Je m'en vais bientôt. J'ai un bus à 12h48, je crois. Je m'en vais bientôt à mes rendez-vous. Bon, bah ça va. Côté stress, franchement, ça va. Je me serais imaginé à pire, mais je me suis bien occupée ce matin. Donc, ce qui fait que la matinée, elle a filé et j'ai pas trop gambergé. Voilà, donc bah, je te tiens au courant, bah, sûrement quand je remonte, parce que vloguer dans Rouen, j'aime pas trop. Ne serait-ce que le téléphone et compagnie, je suis pas très fan. Voilà, donc maquillage, j'ai mis mon fond de teint Lancôme Teint Miracle, la poudre Lancôme Majeure Excellence. J'ai mis un blush Tarte, un rouge à lèvres de chez Douce, la marque Douce, mon eyeliner Maybelline que j'utilise depuis la nuit des temps et le mascara, alors là tu vois pas grand chose, mais le mascara Perversion de Urban Decay. Et puis écoute, c'est tout, et puis on est bien, et puis on va y aller, enfin on est bien. Tout est relatif quand même. Hein. En tout cas, malgré le maquillage, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai un peu la tête fatiguée. On sent qu'il y a une phase de stress. Hein. Je me trouve... voilà, j'ai hâte d'être à ce soir, rentrer chez moi, me doucher pour me dépollutionner de Rouen et puis me mettre devant la télé. Ce soir, autour, plus belle la vie. Et surtout, il y a le film avec Muriel Robin et Matt Pokora, le premier oublié que j'aimerais bien voir. Donc je suis pas sortie, je suis pas partie, que j'ai déjà hâte d'être rentrée. Hein. C'est fou. Hein. Hashtag paye ton casanier. Non là c'est pas le casanier, c'est je sors sur Rouen, voilà, pour des banalités. M'acheter des chaussettes, des slopes, passe encore. Mais là, examen et je suis pas sereine. Même maquillée, j'ai les traits tirés de ouf. Le stress, mes amis. Ce soir, une fois tout ça passé, si tout va bien. Putain. Mon seul objectif, c'est d'aller me liquéfier sous la douche, parce que Rouen, ça reste Rouen, ça reste, et en ce moment c'est très pesant, c'est très très pesant sur Rouen, parce que bon bah les gens qui ont peur et qui ont les masques, donc ça laisse une atmosphère un peu bizarre, un peu, c'est très très bizarre, c'est très oppressant, mais c'est très particulier, l'ambiance, les terrasses, comme je te disais, les terrasses qui sont abrités, chauffés, sont désertés. Je trouve que c'est très bizarre. Il y a du monde, hein. C'était pas désert aujourd'hui, mais il y a du monde pas au bon endroit. Tu sais, d'habitude, les gens s'installent aux terrasses. Tu as même des terrasses de bar, notamment dans le coin des Antiquaires, le quartier des Antiquaires, où tu as des mecs en terrasse qui jouent un peu de musique et tout. Là, tu rien. C'est très bizarre. Ça fait un petit peu, dans certains coins, quartiers de Rouen, ça fait un peu village déserté. C'est très bizarre, c'est pas habituel en fait. Après, je comprends la crainte des gens, on nous dit pas tout, on nous raconte peut-être des conneries, donc je peux comprendre aussi la crainte des gens, hein. Mais bon, que veux-tu, on va pas s'empêcher de vivre non plus. Hein. Dis-moi, YouTube World, est-ce que dans ta vie, il y a des moments où tu es très content sans l'expliquer? Bon, tu te doutes, hein, les examens se sont très bien passés.
Rien de grave à signaler, donc coup de stress. Alors, même si j'ai réussi à grave réguler, mais il y a quand même eu... Si tu veux, l'avantage du CHU, c'est que tu as des rendez-vous assez rapidement. Mais par contre, l'attente dans ce qui sert de salle d'attente, ça n'en finit pas. Et c'est à ce moment-là, c'est le dernier quart d'heure d'attente où j'avais la pression un petit peu au max, peut-être pas, mais que j'avais bien la pression, c'est que c'est long au niveau. Et c'est très bizarre au CHU au niveau des électromyogrammes, le coin des électromyogrammes, électroencéphalogrammes, c'est très bizarre. Au service neurophysiologie, c'est que ce ne sont pas des salles d'attente, ce sont des couloirs d'attente et que c'est des box où on fait les électros et compagnie à tour de bras. Là, allez, bah, bah. Ça fait super usine. Neurologue sur laquelle je suis tombée, parce que c'était une femme neurologue, très très bien. Mais alors par contre, je trouve que ça usine. RAS. C'est-à-dire qu'au niveau de mon bras, je ne m'attendais pas à une amélioration et il n'y en a pas. Mais le bon côté, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation. Et c'est un peu ce qui me faisait peur, c'est que comme ça montait, j'avais un petit peu peur qu'au niveau des cervicales, ça grince un peu. Rien n'a signalé. Mon problème de compression du nerf cubital ne s'est pas amélioré. La paresthésie, la parésie non plus. Le côté sensitif, l'atteinte sensitive ne s'est pas améliorée. Mais, attends, parce que j'ai le paperasse. Il faut que je porte donc l'orthèse d'extension la nuit pour éviter cet automatisme, parce que c'est ça qui m'a bousillé en fait le nerf qui a comprimé, c'est des mauvaises positions. Il faut vraiment prendre de vraies précautions positionnelles. On parle pas d'opération. on va pas parler d'opération parce que pour moi ça ne nécessite pas. Donc c'est un différent neurologue que j'ai vu et elle aussi me dit que pour l'instant il est vraiment pas l'heure de recommander une intervention. Je lui ai dit n'en dites pas plus, ça me va très bien. D'un point de vue écho et on va dire gynécologique, pareil, RAS de ce côté-là. Et c'est peut-être, je ne sais pas lequel des deux où j'ai eu le plus de pression, mais je pense que c'est quand même au niveau de l'écho parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Mais RAS, oh putain, ce soir, je me sens mon petit cadet, mais d'un bien. Voilà, c'est. Voilà, c'est une pression en moins, c'est des questionnements en moins. Et bah, cette journée fut très longue parce que attente, beaucoup plus d'attente que de passage en cabinet, enfin, dans les examens en tant que tel. Mais au moins, c'est fait, tout regroupé sur une après-midi. Franchement, si c'est à refaire, je le referai. Bonjour YouTube World, nous sommes... le mercredi 9 octobre 2019, je t'ai pas pris hier, because hier anniversaire de ma maman. Il est 8h11 et je vais me faire un café. Gouléante. Allez, dépêche-toi, parce que le soleil vient de se lever. Donc on va, voilà, on veut retrouver l'amie gouléante. Ah bah oui, penses-tu? Ça va beaucoup mieux. En plus du rhume, c'est ajouté la toux. Donc comme ça, on est très bien. Et pas d'ornoun. Hier, j'ai regardé, je voulais revenir parce que j'ai regardé l'émission là, avec Christina Cordula, Objectif 10 ans de moins. C'était bien, c'est du divertissement. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai ri. Déjà, cette émission, donc, qui se voulait être un petit peu... la copie en beaucoup plus édulcorée. Ce que je vais dire là, c'est que mon avis, hein, j'ai rien lu. De toute façon, j'ai aucun réseau social, donc l'avantage de n'avoir aucun réseau social, c'est que tu peux pas calquer ton avis. I am the cat and the coach. C'est que tu peux pas calquer ton avis sur ce que tu as lu. J'ai plus de Twitter, donc je n'ai rien sur Twitter. J'ai plus d'Instagram, donc je n'ai rien sur Instagram. Et en fait, c'est plutôt pas mal d'être coupé du monde comme ça, d'un point de vue réseau social, parce que tu lis pas ce qui peut se dire et que tu arrives à te faire ton avis sur les médias. Donc, je trouve déjà, ouais, d'un point de vue divertissement, pur divertissement en tant que tel, c'est sympa. Mais on est très, très proche, je te disais, en version beaucoup plus édulcorée et beaucoup moins, toi, que ça bastonne, de relooking extrême à l'américaine. Mais, il y a des petits détails qui m'ont quand même un petit peu tarabusté. J'étais fumeuse et comme la dame qui fumait 40 cigarettes s'était regardée, je vais éviter de spoil. Bon,
Déjà, si t'as pas regardé Objectif 10 ans de moins avec Christina Cordula et que tu veux le regarder, par prudence, zappe cette partie-là. Il se peut que je spoil, au moins t'es prévenu et tu peux avancer. Et il y a des trucs, bon, c'est sympathique, c'est gentillet, mais j'ai trouvé que faire croire à un potentiel téléspectateur, on va y arriver, il est tôt en même temps, que tu peux écraser ton paquet de 40 clubs comme ça, parce que normalement, si j'ai bien suivi ce qu'a dit Christina Cordula dans diverses émissions, c'est un truc qui se passait en une semaine, on est bien d'accord. Arriver à faire croire que quelqu'un qui, depuis des années, fume 40 clopes, arrive à éclater son paquet et à passer à 5 clopes en une semaine, sans que ça ait l'air difficile, je pense que là, on est un petit peu, on surjoue un petit peu le truc. Ensuite, il y a un détail qui me dérange, c'est que tout ce qui leur ont fait faire, ça a un coût. La médecine esthétique, telle qu'ils l'ont appelée, ça a un coût. Je veux dire, tu vas te faire une deuxième chat dans la gorge, ils sont deux ce matin. Que ce soit des injections d'acide hyaluronique ou des injections de toxines botuliques, ou communément appelées le Botox, ce sont des interventions esthétiques qui ont un coût. Comment ça va se passer quand tout ça, ça va revenir et que les toxines et compagnie font plus effet? Comment ça va se passer? Parce que finalement, même si le docteur Saldman, il a quand même bien mis en avant le fait que, attention, c'est très éphémère, mais comment ça va se passer si les personnes là qui se sentaient mieux après, tout se recasse la gueule, la façade, elle se remet de travers? Comment ça va se passer psychologiquement? Alors je te le dis, hein, pendant toute l'émission, quand ils expliquaient les rides, les machins, l'affaissement, pendant toute l'émission, j'étais comme ça, en train de toucher, en train de... C'est-à-dire que si t'es pas complexé par ton physique qui vieillit, parce que l'âge avance, donc le physique, de façon très logique, vieillit lui aussi, ça te provoque des... ça te provoque des... Est-ce que là ça va? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que... ça te provoque... Même si toi, t'as aucun doute... Après l'émission, tu te dis « Ah merde, oui, peut-être que là, quand je souris, ce serait pas mal. » Admettons, moi, demain, je caste, je veux participer à cette émission. Je me fais caster, je suis prise. Je leur dis « Ouais, ce qui me dérange, même si ça me dérange pas, ouais, ce qui me dérange, c'est la poche, là, c'est le début de formation, bien que ce soit pas violent, mais le début de la patte doigt, je peux m'inventer un début de patte doigt, j'en ai un petit début, là, c'est la bouche, j'ai pas de problème de bouche plissée non plus, je peux m'inventer plein de problèmes, voilà, je peux m'en trouver. Si je cherche bien, je peux me trouver des trucs qui de base ne me dérangent pas, mais pour participer à l'émission, pourquoi pas. Ok, on va me dire, t'inquiète pas ma chérie, je vais te... Il y a un protocole pour ça, ok. Hop, ça va passer en chirurgie esthétique, enfin ils appellent ça de la médecine esthétique. Et ça va me piquer là, ça va me piquer là, ça va me piquer là, ça va me piquer de partout, ça va me remonter le biscuit ici. Ok, je vais être contente, on va m'habiller, me coiffer, me maquiller, ok. Mais moi après, quand la façade elle se recasse la gueule, je trouve où l'oseille pour me refaire la botule, pour me refaire le tox. je trouve où l'oseille et je trouve surtout où l'oseille pour m'acheter les fringues que Christina propose, parce que bon, jupe en cuir, total cuir, bon c'est pas mon délire de toute façon, donc ça ira très bien, mais je veux dire, ce qu'elle propose au niveau des sapes, c'est pas du 2 euros chez Vinted quoi. En revanche, ce que j'ai trouvé super instructif, alors j'ai pas aimé l'art et la manière derrière, mais ce que j'ai trouvé super instructif, c'est quand je crois qu'il y avait une nutritionniste ou une diététicienne, je sais plus, qui a fait, tu sais, une montagne de paquets de sucre et qui avait... qui a précisé que c'était la consommation pour les trois personnes participantes. Et elle a demandé à chaque participante d'évaluer sa consommation de sucre sur l'année, sa propre à elle. Et en fait, toutes, elles étaient en dessous. Et je trouve ça très intéressant parce que quand tu fais le décompte comme ça, visualisé, ça veut dire que tu as un visuel sur ta conso de sucre à l'année et que tu t'aperçois que tu as une montagne devant toi. Ça, j'ai trouvé ça, ce petit exercice, très intéressant.
Après, tu avais une participante qui était très dépendante. Hein. On ne parle plus d'accro ou de petits plaisirs. Elle était totalement dépendante aux sucreries et notamment aux sodas. Au point d'aller jusqu'à 4 litres de soda par jour. 4 litres, hein. Elle consomme plus de soda. Donc, c'est vraiment une dépendance que moi, je consomme d'eau à la journée. Sachant que moi, j'ai quand même à mon actif un diagnostic de potomanie modérée. Donc là, on est quand même dans la potomanie du soda, hein, quoi qu'on en dise. Et on veut quand même essayer de nous faire entendre que cette nana qui est totalement dépendante, et je pense qu'à ce stade, faut limite être suivie au soda tous les jours, 4 litres, soit 28 litres à la semaine, qu'elle peut remplacer ça par un smoothie tout vert avec une feuille de épinard dessus. J'ai eu un peu de mal. Ça m'a valu, remarque, un fou rire en même temps qu'une des candidates quand elle a ouvert son truc et puis elle a dit c'est de l'eau. Voilà, ça m'a valu, je trouve quand même, enfin moi je me base aussi peut-être avec ma nutritionniste à moi, qui l'une des premières phrases qu'elle m'avait dit c'est qu'on n'obtient rien, on n'obtient pas de résultats en mettant les gens dans la privation, dans les interdits. Là, on va passer de 4 litres de soda par jour à un smoothie tout vert. Bon, je sais pas. Hein. Forcément, tu as la découverte de la faim qui est, même si elle est très très calquée, cette émission sur Relooking Extrême, on est quand même dans le moins spectaculaire vu qu'on est sur une version française du truc. Hein. Beaucoup dans le moins spectaculaire, puis dans le moins trash aussi, hein, parce que dans Relooking Extrême, ça casse du pif, on te fait voir les interventions, limite, là, tu vois pas grand-chose, hein, tu vois une dent fraisée, tu vois, allez, on t'injecte un peu de toxine botulique, là, aux abords et aux entournures, c'est beaucoup moins violent. Alors forcément, à la fin, les participantes sont contentes, les familles sont en pleurs, un peu, je te dis, le même concept que Relooking Extrême, mais c'est vrai que je suis restée sur la fin en me disant mais c'est bien, ça leur a fait du bien, ça, c'est vrai que tu voyais qu'elles étaient émues du résultat et qu'elles se sentaient mieux dans leur peau, et à ça je dis pas non, mais que va-t-il se passer? Est-ce que l'émission derrière, elle permet à ces participantes-là de continuer ces soins-là, parce que bah, le docteur Sadman, pourtant, qui participe à l'émission, l'a dit, je crois, deux fois, attention, la toxine botulique, c'est très éphémère. Il l'a dit deux fois. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va en être pour ces participantes quand la façade va avoir besoin d'un nouveau coup de frais? Et si c'est à la charge de ces nanas-là, et qu'elles, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a une qui est dans l'agriculture, on sait un petit peu en ce moment que toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, c'est compliqué. Je pense que la meuf, elle n'a pas d'oseille à foutre dans des injections de Botox. Donc, c'est la petite question que je me suis posée. On sait que dans Relooking Extrême, au niveau des États-Unis, ils sont suivis derrière, mais là, peut-être pas le même délire. Hein. Attention, hein, je ne suis pas dans le délire. On n'est pas dans le débat, j'aime ou pas Christina Cordula. Pour moi, elle ne mange pas de pain. T'es pas obligé de prendre tous ses conseils au pied de la lettre. Parce que parfois, c'est vrai que quand je fuis sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui tiennent des propos. Ouais, je peux pas me la piffer, Christina Cordula, je peux pas me la saquer. En même temps, calmez-vous, vous pouvez pas saquer le personnage télévisuel. Maintenant, cette nana-là, elle est peut-être très sympa dans la vie de tous les jours. Voilà. Après, le débat n'est pas là. Hein. Je suis pas en train de te dire, est-ce que t'aimes bien Christina Cordula? Quelque part, même, je m'en fous complètement, mais c'est juste sur l'émission, le concept, je voulais te parler. Moi, Christina Cordula m'a jamais rien fait à moi, personnellement, donc te dire je peux pas me la saquer, on va se détendre, on va prendre sa tension, puis on va baisser un petit peu. En gros, pour faire simple et pour terminer cette chronique objective 10 ans de moins, j'ai aimé le concept parce que forcément, de base, j'aime beaucoup Relooking Extrême version US, donc comme c'est un peu calqué en beaucoup moins trash que Relooking Extrême, j'ai beaucoup aimé cette émission, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, faut pas non plus pousser trop loin. On leur demande d'arrêter, on leur chip les clopes et on leur demande d'arrêter la clope, hop. Le lendemain, on leur demande d'arrêter tout le sucre, on les fout en sevrage nicotinique et en sevrage de sucre. Je veux dire, pour être passé par là, enfin, sevrage de sucre, non, mais
qu'on te prive de tout comme ça du jour au lendemain, je suis pas sûre qu'au bout de 2-3 jours, tu pètes pas un plomb et que tu as envie de casser la gueule à tout le monde. Hein. Je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu surjoué. La meuf, elle donne son paquet le lendemain. Oh, je me sens mieux, je sens ma peau. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait un arrêt tabac. Il m'aura fallu quand même un mois pour un petit peu que ça redescende. Hein. Au bout de 2 jours, si je m'étais écoutée et si j'avais pas arrêté pour des raisons que tu sais et qui font que de toute façon j'avais pas vraiment le choix d'arrêter, je pense que s'il y avait rien eu et que j'avais arrêté juste parce que j'avais envie d'arrêter à ce moment-là, au bout de 2 jours, oui, j'aurais volontiers mordu la cuisse d'un mec qui fumait une clope dans la rue. Donc, et j'étais pas à 40 clopes par jour, hein, je précise. Hein. Bon, déjà, c'est vrai que moi, participer à ce style d'émission, bon, déjà, étant donné que j'ai pas de problème avec Marie des compagnies, je serais peut-être pas le public le plus visé dans l'histoire. Mais participer à ce style d'émission, le premier problème qu'on aurait, c'est à partir du moment que le mec me dit « je vais t'injecter ou de l'acide hyaluronique ou de la toxine botulique » et qu'il arrive à côté de moi avec sa seringue. Vas-y, viens, viens, approche, vas-y, viens. Ah, mais il ne m'approche pas avec son aiguille. Je ne pourrais pas faire ça, même si un jour, vraiment, je me dégrade, parce que j'ai la chance. J'arrive sur mes 42 ans, et c'est vrai que sans jamais avoir subi aucune chirurgie, bon, il y a des signes de l'âge, hein, on ne va pas se mentir, ils sont là. Hein, les heures de sommeil perdues, elles sont ici, là, tu vois. Salut, moi c'est Jean-Jacques, moi c'est Michel, tu vas bien? Écoute, ouais, cette nuit, 4 heures, on est bien. Voilà. On ne peut pas souffrir d'insomnie, souffrir de... J'ai certaines choses qui font que oui, c'est marqué sur le visage, même si quand je fais... Maman est très en colère, la ride de la colère. Hein. En même temps, j'ai 42 ans, le faciès va avec mon âge. Mais j'aurais un vrai problème, c'est qu'à partir du moment, je pourrais pas me faire faire des trucs comme ça, parce que l'autre, il approche de mon dessus d'œil ou de là avec son aiguille, je le bastonne. Ah ben, je le bastonne. Vas-y, viens, amène ta gueule, amène ta gueule. C'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, ce que je me dirais, je me dis, ok, là, ça va me donner un coup de jeune, hop, je vais gagner 5, 6, 7 ans, mais au moment où je vais prendre en compte, est-ce que ça peut pas faire pire que mieux? Au moment où tout va se casser la gueule et que tu peux pas suivre au niveau financier pour rattraper, refaire quelques injections, est-ce que pour le moral, c'est pas encore pire? Hop, pendant quelques temps, je ne sais pas la durée de vie d'un botox ou d'un acide hyaluronique, mais quand tu vois que tout recommence à se réaffaisser petit peu par petit peu, est-ce que c'est pas double peine en fait pour le mental? Tu vois, c'est ça hier qui m'a... Je comprends qu'on veuille se faire aider, je comprends. Hein. J'ai compris dans certaines candidates la détresse, hein. C'est vrai qu'il y en avait une ou deux où... C'était, voilà, c'était une mésestime de soi, mais de ouf, hein. Je peux comprendre qu'on veuille se faire aider, je tape pas là-dessus, jamais je jugerai. Moi, je suis en phase avec ma riditude, mais je peux comprendre que certaines n'acceptent pas, hein. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le vieillissement, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Hein. Ça, il faut tout pour faire un monde, et ça, je suis très bien consciente de la chose. Mais le fait de peut-être pas avoir un suivi, de pouvoir à nouveau... procéder, parce que je pense qu'une fois que tu as commencé ça et que tu te sens bien dans ton botox, dans ton acide hyaluronique, je pense qu'il faut que ce soit régulier. Et si tu veux pas accéder à ces soins réguliers, comment ça se passe d'un niveau psycho, tu vois, c'est ça. Enfin bref, je déclare fermer le débrief objectif 10 ans de moins et j'ai autre chose à t'annoncer, le très important, le plus important qu'un débrief sur une émission, sur mon vlog de la semaine dernière. On parlait, je te tiens au courant parce que je sais que le point de vue professionnel me concernant semble beaucoup intéressé, étant donné que c'est vrai que sur les dernières vidéos, sur les FAQ, le côté études, professionnel, projet est beaucoup revenu. Et donc, je te disais sur le vlog de la semaine dernière, il y a une personne, alors je serai incapable de reciter les pseudos parce que j'ai répondu à beaucoup de commentaires, qui me parlait, qui me disait « je te verrais bien travailler dans une bibliothèque » et m'expliquait que ça passait par le biais de concours de la fonction publique. Et une fois que j'ai lu son commentaire, je suis allée un petit peu me renseigner et j'ai vu que pour passer le concours bibliothécaire, il fallait un bac plus 3, niveau forcément que je n'ai pas. Donc j'ai répondu à cette personne que moi aussi j'aurais adoré faire ça, franchement bosser dans une bibliothèque avec des livres, qui ne nécessite pas forcément un travail en équipe et donc de m'occuper de mes petits bouquins, franchement, ça me plairait vraiment beaucoup.
Mais bac plus 3 nécessiterait 3 ans de reprise d'études et c'est pas du tout dans mes projets. Ce n'est même pas, mais vraiment pas du tout. Hein. Et j'ai reçu un second commentaire qui me dit en gros, mais j'ai lu sur un autre commentaire que tu avais répondu pour le concours de bibliothécaire, mais as-tu regardé s'il existait un concours qui soit un peu en dessous pour être un assistant de bibliothèque ou quelque chose comme ça? Et je dois t'avouer que non, je n'avais pas regardé parce que pour moi... Et donc, me v'là-t-il pas que je me rends à me renseigner, je tape assistant de bibliothèque. Et je vois concours assistant, enfin bibliothécaire assistant classe normale. Me voilà arrivé sur le site. Alors je crois que c'est le site du rectorat, mais je suis pas sûre. Enfin bref, me voilà arrivé sur le site. Et là, la bonne étoile était en train de clignoter au-dessus de ma tête. Les concours étaient encore ouverts, les inscriptions étaient encore ouvertes jusqu'au 10 octobre. C'est-à-dire que je me suis inscrite. Bon, bah, de ce fait, lundi, je crois. Je me suis donc officiellement inscrite au concours bibliothécaire assistant classe normale, ce qui permet en plus, si j'arrive à décrocher, hein, là on n'y est pas, mais si j'arrivais à décrocher et à rentrer là-dedans, derrière, ça me permet de passer les concours internes, voire professionnels, pour monter en échelon. Bref, tout ça pour te dire que je me suis officiellement inscrite à ce concours et que j'ai l'épreuve. Alors, ça se passe en plusieurs parties. J'ai l'épreuve d'admissibilité le 6 février 2020. 6 février, jour de décès de mon papa. Donc, quand j'ai vu la date, je me suis dit « Ah, merde !» Mais ma mère, elle l'a pensé différemment puisque le résultat de cette épreuve d'admissibilité a lieu le 22 mars, je crois. Donc ma mère, elle m'a dit, prends ça comme un signe. 22 mars, jour de mon anniversaire, elle m'a dit, c'est des signes, ça. C'est que papa est pas loin et que ça va te porter chance pour ton concours. Si je réussis l'admissibilité et que ça, c'est bon, après, au mois d'avril, j'accède aux épreuves d'admission. Et les résultats définitifs ont lieu, je crois, fin avril. Donc, il y a tout ce passage-là à faire. Et puis, écoute, on verra bien. En tout cas, la vérité, c'est que je vais bosser ce concours. Je vais acheter tout ce qu'il faut pour le bosser, bien étudier le truc, les épreuves et compagnie, parce que je compte bien mettre toutes les chances de mon côté. Parce que je crois vraiment... Je suis très lucide, hein, je ne vais pas te dire, ça y est, je me suis inscrite à un concours, ça y est, c'est bon, j'en suis pas là. Mais je crois que là, j'ai télécandidaté de partout. Je suis une télécandidatrice, je télécandidate de partout, je réponds à des annonces et ça ne fait rien, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. J'ai proposé des candidatures spontanées partout autour de moi, ça ne bouge pas. Je pense que là, si, parce que je te cache pas que j'ai découragé, on est humain et à un moment quand tu cherches, tu tapes un peu partout et que ça n'avance pas et que ça se débloque pas, il n'y a que les robots ou que ça décourage pas. C'est humain de décourager quand tu es en recherche d'emploi et quand tu vois que ça stagne. C'est humain, les robots ne découragent pas parce qu'eux, ils sont programmés, ils ont la disquette là-dedans et ils ne sont faits que pour faire ça. Nous, quand ça fait des mois que tu fais ça, que tu puisses décourager un moment, même si ça dépasse certains esprits étriqués, que tu puisses décourager un moment, c'est complètement humain. Je veux dire, tu fais, tu comprends pas le pourquoi du comment, ça bouge pas. Tu as le droit de décourager, même si à côté, tu as Jean-Jacques, Pierre, Jean-Louis, toujours les bons penseurs qui vont te dire « Ouais, mais du boulot, il y en a, il suffit de chercher. » Ou pas. Non, parce que c'est comme tous les personnes souvent qui te disent « Ouais, du boulot, il y en a, t'as qu'à chercher. » Qui sont comme ça, ce sont des personnes qui ont une place depuis 20 ans dans une boîte et qui n'ont jamais eu, et d'ailleurs, je ne leur souhaite pas, vu leur vision des choses, qui n'ont jamais eu à être confrontées au chômage et à la recherche d'emploi. C'est vrai que généralement, les personnes qui te disent ça, elles sont assises sur une place depuis des années et elles ont le toupet de te dire « Ouais, si tu veux du boulot, il suffit de chercher, il y en a. » C'est un peu le même délire que de dire « Du boulot, il y en a, il suffit de traverser la route. » Je dis ça, je dis rien, mais ça, moi, celle-là, je l'ai placée. Non, parce que moi, si je traverse la route, d'ailleurs, je le fais assez souvent, hein, y a pas un boulot de l'autre côté. Hein, sur le trottoir d'en face,
Non, mais sans déconner, voilà, c'est le genre de propos. Généralement, les personnes qui disent « quand tu veux du boulot, il suffit d'en chercher », il y en a, ce sont des gens qui n'ont jamais été confrontés à ça, à une recherche longue et pénible d'emploi. Et voilà, souvent, de toute façon, les réflexions qu'on se prend un petit peu comme ça, que ce soit sur le travail, que ce soit sur le poids ou autre, souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas concernées, donc qui estiment avoir le droit de donner des leçons. Voilà, mais si t'es grosse, il suffit que t'arrêtes de manger, puis tu maigris, voilà. Dit la personne qui fait 60 kilos et qui n'a jamais eu de problème de poids. Souvent, très souvent, c'est comme ça. Bref, ce topo-là, tu le connais, je l'ai déjà dit. Mais là, en gros, j'ai 3 mois pour préparer les épreuves d'admissibilité. Donc, autant te dire qu'on est large, on est tranquille. Voilà, d'autant que j'ai repris des études il n'y a pas longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des connaissances et compagnie, et comme j'ai lu tout le long de ma vie pour l'assistant bibliothécaire, je pense aussi qu'on va être dans le domaine littérature, des livres et compagnie. Donc comme j'ai beaucoup lu toute ma vie, on va dire que c'est peut-être un atout que je vais pouvoir mettre de mon côté. Mais je te jure, toi, ma petite étoile qui se trimballe de temps en temps puis qui a tendance à t'éloigner, si t'es là, ça va être début 2020 qu'il va falloir que tu t'actives. Hein. Non, ce serait bien. Ce serait... entre ce que j'ai entrepris pour 2019, ma perte de poids, pousser la porte du nutritionniste, ce qui peut te sembler très simple pour toi, mais pour moi, pousser la porte de ma nutritionniste, d'un nutritionniste, dans un premier temps, pour moi, je l'ai vécu comme un échec parce que je me suis dit, c'est parce que j'y suis pas arrivée. Et si jamais pour 2020, je réussissais le concours, ce serait une continuité qui serait très jouissive. Voilà. Donc, écoute, hein, croise tous les doigts que tu as. Allô ? La familia, on se retrouve dans la sérénité, dans le calme de ma route. Écoute, hein, te plains pas, je te fais pas ça tous les jours, mais je tiens quand même vraiment, véritablement, à ce que tu n'oublies pas ce chant mélodieux de la route. Pour ta petite info au niveau trafic routier, il est 20h moins 2, je crois. Et voilà le truc, en plus, Boubou quand même une couche comme ça. Bah écoute, sinon, je t'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui parce que je me suis occupée de ma chaîne. Donc, étant donné que j'ai pas encore la fonction de me dédoubler, j'ai notamment tourné... C'est chiant, hein. J'ai notamment tourné, j'ai mis en ligne la vidéo pour la vidéo participative, donc un appel à témoignage. Je t'invite à aller la voir, je te remettrai un i et je crois que c'est par ici. On va y arriver à trouver le sens du i. Hein. Ou pour cette fois-ci, j'aimerais beaucoup que nous puissions aborder ensemble voilà, le thème des réseaux sociaux. Parce que j'ai aussi pas mal à en dire et je suis curieuse d'avoir vos témoignages sur les réseaux sociaux, peu importe comment, dans le positif, dans le négatif, dans le neutre. Ah bah Luna, pas de problème, hein. De jour comme de nuit, jusqu'au boutiste, hein. Pas de soucis. T'as vu comme c'est pas du tout plaisant. Bon là ça va, au moment où je te dis ça il y a une accalmie, mais c'est vrai que c'est pas du tout, est-ce que les moments où je vlog avec toi, où je suis dans mon jardin, ton oreille elle en pense quoi? Parce que souvent je me pose la question, le peu de temps que vous passez avec moi dehors dans mon jardin, comment vous le vivez de façon auditive, sachant que moi je prends ça H24. Alors fatalement je vais pas revenir à ce que j'ai déjà vu. Oui. Non, il est plus l'heure, voyons donc. Maman est très en colère. Oui, je vais pas revenir sur ce que je t'ai dit dans une FAQ. Je me plains de ma maison parce que le français est râleur et que je fais partie du gros pourcentage de râleurs. Mais c'est vrai que le bruit, c'est un problème. Mais je préfère le bruit de ma route que de me retrouver, franchement, que de me retrouver en immeuble parce que mes finances ne me permettraient que de vivre en immeuble. Et j'ai tellement... une très mauvaise expérience de mon dernier logement en immeuble que sincèrement je préfère encore supporter le bruit de ma route, je te jure. Est-ce que tu crois, Boubou, qu'on peut sans arrêt pratiquer le joujou? Bon, oui, maman. Je crois qu'on peut, tu vois pas grand chose, hein. Je crois qu'on peut pratiquer le joujou à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le vieux croyait. Cela dit, c'est pas le tout Michel, mais moi je me rends parce que d'une part, je me pèle un petit peu le mulichetto et que va pas tarder à y avoir plus belle la vie. Donc peut-être à tout à l'heure ou à demain. Écoute. C'est si flippant. Il y a le calme dans la maison. La pluie qui cogne fort, je sais pas si toi tu l'entends, à la porte et aux fenêtres, enfin au volet. Boubou qui ronfle. C'est une atmosphère
tout autant apaisante que très flippante. Surtout que nous sommes toujours mercredi et que ce soir à la télé, c'était comme tous les mercredis en général, nul à chier. Et que j'en ai profité pour terminer ce bouquin, La patience du diable de Maxime Chatham. Avant même de t'en parler et te donner mon point de vue sur ce premier de Maxime Chatham que je découvre, je tiens à te signaler d'ores et déjà que je fais partie des Chathamiens. J'ai vraiment fait une découverte, c'était le premier que je lisais de cet auteur et je suis tombée fan, mais attention, j'ai des petites bricoles à te signaler. La première des bricoles, et vois-tu pas des moindres, c'est que je suis un boulet, voilà, éternel rôle de boulet, c'est que j'ai lu celui-là alors que dans la logique, il aurait fallu que je lise La Conjuration primitive en premier, et en plus je l'avais, mais le titre m'a attiré et de ce fait j'aurais dû lire la Conjuration primitive ensuite celui-là pour avoir une certaine logique que je n'ai pas fait, et donc malgré moi, je me suis un petit peu auto-spoil rapport à La Conjuration primitive. Bon, ça c'est un détail, même si ça m'emmerde un peu, c'est un détail. Mais c'est vrai que je ne me suis pas plus penchée sur la question, j'aurais dû. Alors forcément, je ne vais pas te raconter l'histoire du livre, parce que si tu ne l'as pas lu et que tu souhaites le lire, c'est un peu ballot. Mais en gros, donc on est vraiment sur déjà un bouquin qui fait plus de 600 pages, donc il faut avoir l'envie de le lire. Mais les 600 pages, en fait, tu ne les vois pas passer parce que tu es tellement happé par l'histoire. En gros, La patience du diable, ça se lie à tout ce qui est actuel. Déjà, c'est un roman que je trouve très actuel, malgré le fait que je crois qu'il date de 2014. Mais c'est sur la société de consommation, ses dérives, et pour parler dans mon jargon, des gens qui finissent par péter des plombs. Le côté pervers, on va très très loin dans la perversion de l'humain, dans toutes ces noirceur, on va vraiment très très loin. Ce que je veux te dire, l'une des choses que je voulais te dire, c'est que je pense, hein, je vais être honnête, autant moi c'est complètement mon délire, et j'ai même été surprise parce que en lisant ce bouquin, je me suis un peu remise en cause en me disant c'est normal d'être autant fascinée par ce que tu es en train de lire, étant donné le... Ah, c'est vraiment très... J'ai même pas de mots, c'est glauque, c'est vraiment, il y a un côté très très pervers. On ressort tout le côté négatif de l'humain, tout ce qui peut y avoir de mauvais dans l'humain. Et j'ai été complètement fascinée par le récit. C'est grave, docteur. La note très très importante, laquelle je tiens beaucoup, c'est que ce roman ne manque absolument pas de rythme. T'as une accroche à chaque passage, qui fait que, comme je te disais, je ne sais plus si c'est dans le vlog de la semaine dernière ou un autre contenu, ce qui fait que quand tu te lances dans un chapitre, le livre est fractionné, le roman est fractionné par beaucoup de chapitres. Tu finis un chapitre et tu te dis « bon, je vais faire une pause, j'ai des choses à faire ». Putain, tu restes là, merde, j'ai envie de savoir la suite, parce que La patience du diable, tu te doutes bien que dans le récit, on va te parler du diable, et que sans arrêt, en fait, ton imaginaire va complètement bosser, va pas arrêter de bosser pendant toute la lecture de ce livre, et se dire, mais c'est lui, c'est elle, tu sais plus trop à un moment si le diable, dans l'histoire, c'est une femme, un homme, tu sais plus, t'as des doutes, tu dis, je suis sûre que c'est lui, et puis d'un coup, ah, je suis plus sûre du tout. Ça te tient en haleine pendant toute l'histoire. Et les descriptions, alors là, grand, grand, grand big up pour les descriptions, que ce soit, alors attention, oreilles sensibles, s'abstenir, que ce soit dans les odeurs, puisqu'on va rencontrer durant ce roman beaucoup de morts, de défunts, de cadavres, et on te décrit les odeurs, et c'est tellement bien écrit, et j'insiste, c'est un style d'écriture que j'affectionne particulièrement, que tu peux jusqu'à, ça va te sentir un petit peu, je t'arbais ce que je te dis, mais tu peux presque sentir les odeurs tellement c'est bien décrit, la souffrance des personnages, tu ressens leur souffrance, les mots sont mis au bon moment, tout est très justement dosé, même sur les personnages, hein, que ce soit Ludivine ou c'est un peu la super flic, ses traits de caractère sont très bien décrits, tous les personnages sont à leur place et ils font presque partie pendant tout le long de ta lecture, de ton quotidien, parce que on les décrit tellement bien qu'en fait tu apprends à les connaître pendant tout le long de ta lecture. C'est intelligent à mon sens, c'est psychologiquement très très tortueux. Ah oui, ça pour malmener un peu ton côté, ta psyché
C'est grandiose. Alors bien sûr, faut être un public, on va dire, averti, parce que pour ne pas te mentir, c'est très très violent comme style de récit. C'est vraiment, il y a de la violence hein, dedans, on va pas se mentir. Je sais pas s'il y a une interdiction quelque part, mais par exemple, tu mets pas ça dans les mains d'un ado de 12-13 ans. C'est un peu tôt, c'est un peu... Et ce qui est très très bon avec ce bouquin, c'est que tu te surprends, tu es toute seule, enfin en l'occurrence, je suis un petit peu toute seule à lire, et tu te surprends à certains moments d'avoir un peu... Alors tu traverses diverses émotions avec cette lecture, il y a des moments où tu es un petit peu dégoûté, tu dis putain, jusque-là, il y a des moments où tu lis un rebondissement et tu dis ah le bâtard, mais tu sais, de tout ton cœur, il y a des moments où tu dis mais c'est pas possible, et tu sais ce qui m'angoisse avec ce genre de roman, alors qui m'angoisse, mais pas au point de m'empêcher de les lire, parce que quand je te dis que je vais m'envoyer tout le Chatham, les livres, hein, pas le mec, hein, mais que je vais m'envoyer tout le Chatham, va falloir que je creuse les pistes pour en avoir d'autres, parce que c'est vraiment, hein, je comprends même pas pourquoi je connaissais pas cet auteur, parce que c'est purement, purement ma cam. Donc, je te disais, tu sais, ce que je trouve, ce qui m'angoisse, et en même temps, je crois, ce qui me fascine dans ce style de bouquin, c'est qu'on n'est pas sur des... Alors, bien sûr, le titre peut te biaiser, La patience du diable, mais comme je ne veux pas te spoil, bien évidemment, je ne vais pas aller plus loin, mais tu rencontres plusieurs profils dans ce bouquin. Et ce ne sont pas des profils qui n'existent pas. Tu vois, même si tu es comme moi, très terre-à-terre, et que tu es très raisonné et très raisonnable, là, tu dis, putain, bordel, c'est vrai qu'au quotidien, on n'est pas à l'abri de tomber sur un timbré comme ça, parce qu'on en croise des timbrés, hein. Attention, c'est le festival du timbré, mais quand je te parle de timbré, je ne te parle pas du petit timbré gentil qui est là, qui... Non, on parle du level là-haut, plus haut encore. Pour terminer, je trouve que dans ce que je viens de lire dans ce livre, je trouve qu'on est tellement... Il y a tellement des faits qui te ramènent à ce qui se passe actuellement, rapport à une société qui consomme trop, rapport à tout ça, que évidemment ça ajoute un côté où tu réfléchis un petit peu à ce que tu lis. C'est un livre aussi qui, je trouve, donne à réfléchir dans le sens où, mais c'est vrai que ça, ce genre de truc, ça pourrait arriver quand les gens en ont ras la gampette, ça pourrait arriver. Tu vois, je trouve que c'est... Non, c'est un livre que je trouve très intelligent, écrit de façon très rude, qui, je crois, ne correspond pas à tout le monde. Hein. Je suis convaincue de ça. Je crois que les âmes un peu sensibles et qui ne veulent pas croiser, on va parler en termes de violence, en tout cas pour celui-là. Je n'ai pas la prétention de parler pour les autres œuvres de Maxime Chatham. Mais en tout cas, sur celui-ci, les âmes un peu sensibles et qui sont plutôt lecture tranquillou, je pense que là, il ne faut pas se pencher. Ou alors, si tu as comme moi l'effet un petit peu bizarre, oui, parce que je te dis, quand même, surprise, j'étais fascinée, embarquée, emportée. Je me suis dit, c'est pas très normal. C'est pas très normal. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit fond comme ça qui traînerait de psychopathe quelque part? Et puis non, en fait, je pense que ce qui me fascine, c'est justement l'inconnu. Le fait que tout ce que j'ai pu lire dans ce livre, c'est un total opposé à ce que je suis, vraiment à ce que je suis et à ce que j'aurais l'idée de penser. Et en même temps, dans le questionnement et dans la réflexion que t'amène ce livre, tu dis en même temps, oui, réellement, est-ce qu'on n'a pas tous une part plus ou moins élevée, voire même presque invisible, de mal, de quelque chose qui pourrait ressurgir sans qu'on puisse le contrôler? On n'en sait rien, finalement. Tu vois, c'est des petits sujets comme ça qui te font réfléchir. J'ai kiffé ce livre. Bien entendu, je vais le rendre disponible dans la bibliothèque virtuelle que tu trouveras en barre d'infos, je le répète. Je ne sais que dire, à part merci, un grand merci à Elodie, et je le répète, de la chaîne Elodie Moitou, qui m'a permis de connaître cet auteur, parce que là, Elodie, tu as fait naître une kiffeuse du Chatham. J'ai été sur sa page Facebook, j'ai liké sa page Facebook, je suis inscrite sur le forum Chatham et tout, attention. Là, franchement, je pense que une très belle découverte, très belle. Et donc, j'ai commencé une nouvelle lecture, étant donné que j'ai terminé celui-là. Donc, j'ai commencé Salem de Stephen King. J'ai vraiment fait que commencer. Et c'est un peu compliqué. Alors, bien que Stephen King, au niveau roman, on est là, on bastonne. Hein, mais c'est un peu compliqué pour moi de passer de...
Maxime Chatham, la patience du diable, à Stephen King, Salem, parce que je trouve ça beaucoup plus... Pour l'instant, hein, j'ai lu, j'en suis à la 45e page. Je trouve ça tellement plus littéraire dans la façon d'écrire, plus douce, plus moins rentre dans l'art, que faut le temps d'adaptation. Je les ai enchaînés, j'ai terminé celui-là et j'ai réouvert ce livre-là. Très bien, hein, l'histoire a commencé à m'attraper, mais il faut un petit temps d'adaptation, parce que là, on était dans le, avec le Maxime Chatham. Voilà, comme j'aime à le faire. Donc, concernant, pour finir, le dossier Maxime Chatham, comme j'en ai parlé beaucoup de fois de ce bouquin et que je t'expliquais que j'étais complètement attrapée par l'histoire, certaines d'entre vous m'ont envoyé des mails. Et par ailleurs, l'adresse mail du blabla a changé puisqu'elle a carrément pété un plomb et j'ai été obligée de la supprimer. En fait, je me suis retrouvée avec une erreur de compte. Je ne retrouvais pas mon mot de passe et donc j'ai supprimé complètement. Alors, j'ai réinitialisé et j'avais beaucoup de problèmes avec le mail du blabla que j'ai supprimé. Et j'ai mis en place une nouvelle adresse mail pour qu'on puisse échanger, que je te mets en barre d'infos. Donc, je crois que c'est lepapotage@yahoo.com. Voilà, avec Yahoo, j'ai jamais eu de problème. Donc, on va passer par là si on veut discuter un petit peu. Mais j'ai eu, avant d'avoir ce problème avec cette boîte mail, quelques personnes qui m'ont dit « Attends, moi, j'ai du Chatham à la maison et je vais te les envoyer. » Parce que pour certaines d'entre vous, vous m'avez dit « Moi, j'ai essayé de les lire et j'y arrive pas. » Donc, je ferai un point régulier ici, rapport à la bibliothèque virtuelle, de ce que je recevrai. Parce qu'au début, je me suis dit « Je ne vais pas te faire chier dans les vlogs avec mes réceptions de bouquins, ça va te gonfler. » Et en même temps, j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir. Donc, si je reçois des dons, des bouquins, même qui viennent, qui ont été au préalable... On s'est mis d'accord par le biais de ma bibliothèque virtuelle, donc qui se trouve être un compte Facebook, le kiosque de Jenny. Je te ferai voir ici, parce que si vous avez envie de faire des dons ou des échanges, qu'on soit raccord, tu vois, que je ne me retrouve pas avec 17 mêmes livres de Maxime Chatham, même si dans la bibliothèque virtuelle, je peux les mettre et qu'en fin de compte, ce serait juste plusieurs disponibilités. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc top, top, top. Et merci, ma petite Elodie. Merci, merci. Tu as enrichi mes découvertes d'auteur. C'est pas rien quand même. Hein. Bisous, Maëlo. Donc oui, je te disais... Attends, j'ai un marque-page qui est parti en PLS. Je te disais que là, j'ai commencé Salem de Stephen King. Et là, mon petit cadet, mon petit frère, nous sommes sur un 827 pages. Sachant que Chatham, on était sur du 600 et quelques. Ça va, on est bien au niveau des pavés. Mais là, il faut que je m'adapte. Et en plus, on est vraiment sur des écritures pas très grosses. Mais ça va le faire, ça va le faire. Je suis très, très contente d'avoir repris de façon régulière. Alors, par exemple, ce que je fais au lieu de regarder la télé quand les programmes sont pas top, eh ben, je lis. Voilà, ça me permet déjà de m'éloigner. Je suis beaucoup sur les écrans par le biais de ma chaîne YouTube. Je suis énormément sur les écrans. Alors, bien entendu que j'ai gagné du temps. Et surtout, j'ai beaucoup, beaucoup diminué mon temps d'écran depuis que je n'ai plus aucun réseau social, puisque ma page Facebook dédiée à la bibliothèque virtuelle, je ne suis pas collée H24 dessus. Je fais des points, je check les messages sur Messenger, mais je ne veux pas non plus en être esclave. Mais c'est vrai que je suis très contente d'avoir dégagé du temps, notamment avec Instagram qui me prenait un temps mais phénoménal. Mais quand tu y es plus, je t'assure, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram et que vous vous apercevez du temps d'écran que vous passez sur Instagram. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois le temps gagné depuis que je suis partie d'Instagram, le temps gagné bah, pour moi, pour faire mon petit bullet journal, pour faire ma petite lecture, voilà, pour s'adonner à autre chose que d'être sur un écran. Franchement, ça fait du bien. Voilà, c'est pas pour t'inciter à t'enlever d'un réseau social, parce que j'ai envie de te dire, j'ai rien à gagner, rien à perdre. Mais véritablement, en termes de temps d'écran, ça m'a libéré un temps de ouf, quoi. Et puis, je suis d'autant plus contente parce que depuis que j'ai dégagé Instagram, je me trouve, alors après c'est peut-être un constat qui n'appartient qu'à moi, mais je trouve que je peux me consacrer de façon meilleure à ma chaîne. Voilà, je trouve que les vidéos sont plus régulières, que je suis plus présente, même pour les commentaires, c'est un peu plus facile de répondre quand t'as pas 36 endroits où il faut répondre à tout le monde. Donc écoute, moi j'y ai trouvé mon compte et là définitivement,
pour celles qui m'ont posé les questions, est-ce que tu reviendras un jour sur Instagram? Je suis en mesure de te dire, et ce, de façon définitive, que non, je ne reviendrai jamais sur Instagram. C'est sûr, certain, c'est acté, c'est je ne reviendrai pas sur Instagram parce que j'ai, en m'en allant, j'ai trouvé une très grande une qualité de réflexion. J'y ai retrouvé du temps, que tout le temps que je prenais sur Instagram, je l'ai récupéré pour d'autres choses. Et surtout, une sérénité d'esprit à ne pas me dire ça, 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 ouais, mais elle a dit ça, oui, mais elle a dit ça, ah, merde, encore une story où ça se plaint, machin, voilà. Et puis, j'ai moi-même cessé de me taper la fiche en plaignant parce que j'ai partagé une story et que oui, j'en ai marre de devoir gérer tout le monde, les pas contents, les contents, les moins heureux, les plus heureux, voilà. J'y ai tout gagné. Instagram, j'avais plus à y perdre dans l'ordre du bien-être qu'à y gagner. À partir de là, je ne regrette pas. Et non, pour répondre à votre question, à vos questions, non, je ne reviendrai jamais sur Instagram, ça c'est une certitude. Voilà mon petit YouTube world en mode nocturne. Ici, il se fait 23h15. J'ai fait ma petite soirée lecture, j'ai regardé Mon plus belle la vie comme convenu. Je suis allée me laver et j'ai entamé ma soirée lecture. Et puis, j'ai commencé mon nouveau bouquin. Ce fut une très bonne soirée. Franchement, je retrouve vraiment le plaisir. Mais là, j'ai retrouvé un plaisir accru de lire et de virer un peu d'écran pour mettre du bouquin. Ça me fait du bien. C'est un truc en plus qui me fait du bien. Donc, ce qui fait du bien, c'est bon à prendre. Je te souhaite une bonne nuit si tu regardais ce vlog éventuellement dans la soirée. Parce que moi, j'y vais. Je te fais des bisous et je te dis à demain. Bon, très objectivement, point évier, est-ce que tu trouves que c'est mieux que ce que je t'ai filmé la dernière fois? J'ai tenté en remplacement de la Javel, donc je te montre. J'ai tenté, oui, j'ai oublié le R entre le A et le B, ce qui nous donne percarbonate. Ça, c'est une vieille récup de chez ma maman où, en fait, je l'ai désinfectée et j'entrepose mon percarbonate de soude. J'ai seulement saupoudré l'évier en remplacement de la Javel, je te disais. Hein. J'ai seulement saupoudré l'évier d'un tout petit peu de percarbonate de soude. Ensuite, j'ai mis du citron comme ça. Tu sais, c'est du citron sans sucre que tu trouves en magasin. Là, on est sur un gros format. J'ai seulement mis quelques gouttelettes de ci, de là. Et ensuite, j'ai pris une brosse comme ça et j'ai frotté, frotté. Écoute, à brûle pour point comme ça, je trouve que c'est un peu plus propre que la dernière fois, mais une fois encore, ça, il n'y a pas d'équivalence avec le pouvoir blanchissant de la Javel au niveau de mon évier à moi, qui, je te le rappelle, est très très vieux, et donc il a beau être propre, là, sans utiliser de produits corrosifs et chimiques, il y a des choses qui ne partent pas. Faisons le point maintenant, si tu le souhaites bien. Alors, l'autre partie de la brosse, elle est là. Je m'en suis servi pour nettoyer mon évier. La brosse à vaisselle impeccable. Cette petite brosse, qui est une brosse qui n'est pas spécialement fibre naturelle, mais je ne vais pas l'acheter pour autant. Elle me sert à nettoyer gazinière, évier et toutes les choses avec lesquelles j'ai pas envie d'abîmer ma brosse à vaisselle. Je me suis servi deux fois de cette brosse en fibre de coco et très très bien. Au niveau pour écurer, il n'y a aucun souci. Et parlons peu mais parlons bien, parlons donc de la vaisselle au savon de Marseille qui pour moi, alors là il est un peu mis sur le côté, mais qui pour moi est le savon de Marseille le plus basique du basique qu'on puisse trouver et qui ne contient pas d'huile de palme et compagnie. C'est le savon de Marseille, le gros cube de 600 grammes, je crois, de la marque Fer à Cheval que j'ai trouvé sur le site Greenwiz. Je n'ai aucun problème, je suis très étonnée. Et on m'avait rapporté que quand on faisait sa vaisselle au savon de Marseille, il fallait absolument rincer à l'eau froide. Écoute, j'ai rincé à l'eau chaude et je n'ai aucun problème, ça se dissout bien. Le seul bémol, c'est ton évier. Qui, pour être honnête avec toi, n'est pas spécialement un problème, étant donné que je nettoie mon évier au minimum deux fois par jour. Et pour les personnes, par contre, qui n'ont pas ce truc de nettoyer l'évier systématiquement, ça peut être un inconvénient parce que si tu ne le fais pas, ça te laisse en fait
un résidu, un film gras au fond de ton évier. Moi, je rappelle que c'est un évier en matière comme ça. Je n'ai pas la prétention de parler pour les éviers en inox ou autre. Enfin, dernier débat, le porte-savon en loufa, lequel je redoutais beaucoup au niveau de l'utilisation parce que j'avais eu des retours qui n'étaient pas très sympas. Écoute-moi, il est déjà passé une fois en machine. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dénoté de moisissure. Ça passe très bien en machine. Je l'ai passé à 40 et aucun souci. Après, tu le laisses sécher. Pour l'instant, je n'ai pas de problème. Le seul problème que j'ai, si tu veux, c'est qu'il est un peu petit par rapport à mon gros cube de savon de Marseille. Mais pour l'instant, écoute, j'ai envie de te dire que ça se passe très bien. Bon, ben là, c'est juste un savon lambda que je voulais plus utiliser pour remplacer les pousse-pousse pour les mains. Mais écoute, un premier jet comme ça, je suis très contente. Maintenant, bah, pour ce qui est de la surface du fond de mon évier, je vais continuer de prospecter les possibilités. Bien entendu, tu te doutes que j'ai essayé le vinaigre blanc, mais que ça n'a pas donné mieux. Pour l'instant, le meilleur résultat, je viens de l'avoir avec le percarbonate de soude et le citron et de l'huile de coude, surtout. Oui, bonjour, parce que dire bonjour aux gens, ça t'écorche pas la gueule, comme on dit par chez moi. Je suis très contente parce que, bon, là, j'étais en plein ménage, on est le matin. Nous sommes déjà, pour ce dato localisé, le jeudi 10 octobre 2019, j'étais en plein ménage, donc j'ai fini par l'évier, logique, le seau, machin, bref. Je suis très contente parce que la transition au niveau de mon évier se passe mieux, au niveau vaisselle, au niveau nettoyage de l'évier se passe mieux que ce que j'aurais imaginé, même si cruellement je me suis fait violence et je n'ai pas racheté de Javel, mais je te cache pas qu'elle me manque quand même. En même temps, comme je te l'ai déjà dit, on ne peut pas bousculer des années et des années et des années d'habitude, changer ses habitudes sans qu'il y ait un moment on se dit putain là j'aurais bien vaporisé du spray Javel là. Donc ce genre de transition te ramène au fait que c'est plus le produit qui bosse pour toi mais toi qui vas bosser avec tes produits parce que quelque part tu prends que ce soit le Silite Bank, la Javel, tout ce qui est en spray et mousse et compagnie, tu vaporises le produit, tu laisses un peu agir. Au mieux des cas, tu frottes un peu, mais ça va durer 2 minutes, tu rinces, c'est fait, ça resplendit, ça rutile, ça brille. Là, faut quand même, tu mets tes petits produits naturels et faut quand même que toi derrière, ça y est, un petit peu à la manœuvre. Et quand je te disais qu'il faut user d'huile de coude, il faut vraiment y aller. Surtout quand on a un évier qui a 40 balais, qui n'a jamais été changé et que tu t'efforces, et encore que, hein, j'ai plus les vidéos et les photos, mais quand j'ai emménagé ici, bah, il y aura bientôt 8 ans, j'ai eu l'évier dans un état, je me suis ce jour-là époustouflée de l'état dans lequel j'ai réussi à le récupérer parce qu'il ne voulait pas me le changer. Seulement, le problème, c'est que les anciens propriétaires qui étaient des sagouins finis, mais quand je te dis des sagouins, je te passe les détails parce que j'ai même eu mes voisins habitent là depuis la nuit des temps et m'ont fait part de quelques petites anecdotes. De toute façon, pour faire plus simple, j'ai une cheminée dans ma salle. Expliquer un peu, il faut savoir que ce sont des gens qui sont partis à la cloche de bois. Partir à la cloche de bois, je sais pas par chez toi, mais par chez moi, ça signifie qu'il y avait un impayé de loyer absolument phénoménal et qui sont partis en pleine nuit en mettant femmes et enfants dans les voitures et se sont barrés en laissant. Et puis, comme ils étaient mauvais parce qu'il y avait avis d'expulsion, ils ont complètement saligoté la baraque. Et en fait, quand j'ai emménagé, donc déjà, il faut savoir que c'était tellement dans un état déplorable que quand même, mon bailleur m'a offert, je crois, 3 ou 6 mois sans payer le loyer, hein, tellement il y avait de travaux à faire. Et quand on a voulu nettoyer le conduit de la cheminée, parce que de base, je voulais la réhabiliter, parce que je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Seulement, quand j'ai voulu réhabiliter la cheminée et que j'ai fait faire un devis, il y en avait pour pas loin de 2 500 €, je crois. On a oublié l'idée. Je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Il n'est pas question de faire quoi que ce soit. J'aurais été propriétaire, pourquoi pas. Là, je ne suis que locataire, il faut se calmer. Et comme ma société de logement ne veut pas faire réhabiliter la cheminée, donc, on a nettoyé le conduit avec mon père, ce qu'on pouvait. Et en bas, ils avaient bouché, tu vois, là où il y a les flammes, là, l'insert et compagnie. Ils avaient bouché. Et mon père, il a voulu déboucher ça. Et il a tiré. La bonne idée de mon père, qui était un petit peu un MacGyver, il a tiré. Il s'est pris sur la gueule des fringues sales, dont des slips, des oiseaux morts. Parce que comme c'était pas encore au niveau du toit, au niveau du petit conduit de cheminée, c'était pas encore condamné. Bah en fait, il y avait des oiseaux qui venaient crever là-dedans, et d'où l'odeur, il y avait une odeur pestilentielle dans la salle. Et mon père, c'est pour ça qu'il s'est un peu penché
sur la question. Et quand il a tiré pour déboucher le conduit de cheminée, on a retrouvé de tout. Des slips dégueulasses, limite même fossilisés dans le conduit de cheminée. On s'est demandé, hein, on s'est demandé comment c'est arrivé là. Des chaussures, des jeans, il y avait de tout. Et des oiseaux morts. Donc heureusement que mon père était là, parce que je pense que j'aurais pas remis les pieds dans la salle, ou alors il aurait fallu faire intervenir une entreprise, parce que j'aurais pas été capable, mon père, il a été capable quand même de ramasser tout ça, de faire ça convenablement. Et surtout, j'avais la chance que mon père travaillait dans une boîte d'assainissement, parce qu'après on a pété une bombe assainissante dans la baraque. C'est le même style de bombe. En fait, mon père s'occupait, et je t'avais déjà expliqué, de parfois nettoyer, désinfecter des logements où il y avait eu quelqu'un qui était décédé de longue date et qu'il fallait remettre à propre. Et ce qu'on a fait, comme le laps de temps où on a fait les travaux dans ma maison, comme je vivais chez mes parents à cette époque-là, le temps que ça se fasse, on a pété des bombes désinfectantes. Enfin, ça a un autre nom, hein. C'est vraiment violent au niveau pour assainir. Des bombes assainissantes, mais professionnelles. Ce qui fait que j'ai pu ensuite réintégrer une maison un petit peu plus saine au niveau... Et puis au niveau des murs et puis tout, parce que là on a pété une bombe en bas, on a pété une bombe là-haut, c'est des canettes en fait, tout vrai, comme un peu un fumigène, sauf que là c'est avisé purifiant, assainissant, désinfectant, et ça c'est très bien parce que ça enlève un peu, tu as du moins le sentiment que ça enlève un peu de toute la saloperie. C'était infernal, hein, ils avaient fait un feu... Pour te dire, hein, ce que je te dis, c'est véridique. Je te jure sur la vie de ma fille, ce que je te dis, c'est véridique. Ça peut sembler tellement de la haute voltige que tu vas te dire, mais pour te dire, mes voisins pourront en témoigner si vous voulez bien être sur YouTube. Ils avaient fait un feu de camp au milieu de ma salle. Un feu de camp, ils avaient mis du bois, ils avaient allumé le feu, ce qui fait que le plafond, tout était noirci, forcément de la suie partout dans la maison. Tu passais le doigt sur les murs, tu avais une... Un truc noir. Bon, forcément, mon office HLM, elle a fait intervenir des entreprises pour le nettoyage, mais on a eu beaucoup de boulot aussi en interne. Donc, c'est te dire l'état dans lequel j'ai retrouvé l'évier. J'ai eu de la chance de pouvoir le récupérer parce que, d'une part, je trouve que ce vieil évier comme ça, en mode ancien temps vintage, ça donne un peu le cachet du truc. Et ça m'aurait fait chier parce que l'inox, évier en inox, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est encore plus galère à nettoyer. La moindre trace d'eau, t'es foutu, t'es là en train d'astiquer ton vinaigre blanc pour que... Mais voilà, j'ai eu, pour la petite histoire personnelle, quand j'ai visité la maison, je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais jamais habiter dedans, c'est impossible. Et en fait, même eux, t'imagines un peu le truc de mon office HLM, c'est que même eux, quand ils m'ont fait visiter le matin du rendez-vous, ne savaient pas que le logement était dans cet état. Il n'y a pas eu vérification. Je veux dire, tu as des locataires qui ne payent plus le loyer depuis X ou Y mois, ça je ne juge pas, hein. Chacun a ses raisons, il y a des difficultés dans la vie, mais qui se barrent en pleine nuit à la cloche de bois en se faufilant. La moindre des choses, c'est quand même d'aller jeter un œil pour dire on va voir s'ils n'ont pas tout massacré. Et là, visuellement, c'était au-delà du massacre. Pour autant, là, on va être dans le vlog, on va être dans le vlog racontage de life, hein, grave. Pour autant, j'avais tellement... C'est vrai que j'ai visité cette maison-là, quand je l'ai visitée, elle était délabrée. T'as pas idée à quel point elle était délabrée. Je savais que plusieurs entreprises allaient intervenir pour me remettre les choses à neuf. Et que mon père et moi, on allait bûcher aussi, bosser dans la maison. Mais malgré le fait de cette maison, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et même mon voisin, que je connaissais pas à l'époque, il m'a dit... le premier contact que j'ai eu avec mon voisin, à côté, quand il nous a vu arriver avec mon père, et il m'a dit, je vous souhaite bon courage, parce que quand vous allez ouvrir la porte, vous allez tomber dans les pommes. Voilà, le premier contact avec mon voisin, au moins l'affaire était déjà... Mais je m'imaginais pas à ce point-là. Mais je t'assure, pour te reparler par rapport, je te disais, à ce que je te racontais hier sur l'appartement, puisque je sortais de mon appartement à Grand-Quevilly, j'avais tellement vécu la misère dans mon appartement à Grand-Quevilly, dans la tour, là j'étais au 14e étage, que malgré tout, je me suis dit, on va prendre sur nous, je suis partie, j'ai installé mes affaires et tout chez mes parents, pendant X temps j'ai vécu chez mes parents, je te disais, le temps qu'on fasse les travaux, mais je ne serais pas revenue en arrière pour rien au monde, malgré la visite d'une maison dans un état pas habitable, tout simplement. J'ai vécu une misère dans cet appartement. Déjà, faut savoir, cet appartement-là,
Quand je l'ai visité, déjà 14e étage, ça m'a refroidi parce que j'avais une trouille bleue des ascenseurs. Donc autant te dire que quand tu es perché tout là-haut, les premiers mois, quand fallait que je prenne l'ascenseur, il fallait que je le prenne systématiquement. 14 étages à pied pour l'avoir fait deux fois, c'est juste, c'est juste l'agonie. Avec les courses surtout, hein, je te dis pas non chargé comme ça, tu dis allez, je me fais un petit moment training, pourquoi pas. Mais je me tapais des maux de ventre à cause des ascenseurs. Et quand j'ai visité cet appartement, je me sentais pas très bien dedans. Je pense qu'il faut se fier à son ressenti. Après aussi, on va pas se mentir, il y a parfois une question de non-choix. On propose un appartement comme ça, tu te dis aussi peut-être que j'aurais pas d'autres opportunités de proposition. L'appartement était grand, spacieux, clean, propre, hein, mais je me sentais pas bien dans ce logement-là. J'ai eu raison d'avoir ce mauvais ressenti. J'ai vécu un calvaire entre le voisinage. Alors, j'avais une voisine, je te dis, on était 6 par palier, et j'avais une voisine vraiment limitrophe qui... s'adonner à des plaisirs intimes, mais vraiment, vraiment. Après, c'est pas le problème, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa foune, mais vraiment très sonore. Donc, ce qui fait qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quand à 5 heures du matin, t'es réveillé avec des cris, ou dans ton sommeil, tu te poses la question, est-ce qu'on est en train de l'agresser, ou... et tu t'aperçois au fur et à mesure que tu sors de ton sommeil que non, c'est pas une agression, mais que la chambre de la madame, elle est posée à côté de la chambre de ton enfant qui est en bas âge, c'est compliqué, c'est compliqué. Et des voisins de palier juste en face qui, une nuit sur deux, se foutaient sur la gueule dans leur appartement et sur les paliers. C'est-à-dire que ça partait en couilles graves sur les paliers. Et le pompon sur la Garonne, c'est ma voisine du dessous. Je suis quelqu'un de très respectueux envers les personnes âgées, mais elle a réussi le tour de passe de me foutre hors de moi au point de la menacer dans l'ascenseur. Véritablement, je lui ai dit quand j'étais avec ma fille dans l'ascenseur, je descendais pour l'amener à l'école. À ce moment-là, elle était en école maternelle ou primaire, je ne sais plus. Et qu'elle s'abaisse, elle regarde ma fille qui était petite, hein, et elle lui dit, déjà elle m'emmerdait depuis pas mal de temps, hein, dès 5h du matin, la radio, RTL, je crois, je sais plus quoi, à fond, mais à fond, hein, pour m'emmerder, 5h du matin, autant te dire que là tu commences à prendre sur toi, et passer 19h, parfois même 18h, bam, 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 elle tapait continuellement au balai. Donc plusieurs fois, je l'avais arrêtée en lui disant, quel est le problème? Oui. Votre forme, que ma fille faisait trop de bruit, qu'on était trop bruyants, en même temps, t'as la vie avec un enfant, oui, ça émet quelques sons, hein, un enfant, c'est pas une statue, hein. Si tu veux quelque chose chez toi qui fait pas de bruit, faut mettre des figurines. Et donc un jour, on était dans l'ascenseur et elle s'abaisse au niveau de ma fille, en gros, elle était en train de lui dire que de jouer, ça faisait du bruit, et qu'il fallait dorénavant qu'elle arrête de jouer, machin, enfin bref, le truc qui m'a fait monter, mais monter, hein, monter en air, et là je l'ai chopé. Je l'ai chopé, je n'ai pas tapé dessus, je l'ai calé et je lui ai dit, si vous vous adressez encore une fois à ma fille et que vous estimez le droit de lui dire ce qu'elle a à faire, je vous en mange. Je vous en mange. Jamais ça m'est arrivé, mais là, c'est-à-dire qu'elle s'adressait à ma fille. La gamine, elle n'était pas en mesure de comprendre ce qui se passait. Au lieu de s'adresser à moi, elle s'était directement adressée à ma fille. Je me suis contenue, hein, parce que si je dois continuer à être très honnête, je lui mangeais un coup de boule ce jour-là dans l'ascenseur. Mais mes parents, j'ai eu la chance que mes parents me donnent une très bonne éducation et que j'ai réussi à contenir. Je l'ai juste en fait maintenue sans lui faire de mal. Hein. Je ne l'ai pas étranglée, je l'ai mis contre la paroi et j'y ai parlé de très près comme elle l'avait fait à ma fille. Et là, je vais aller me plaindre, vas-y. Donc, elle est véritablement allée se plaindre, elle n'a pas été à la police, hein. elle est allée à notre agence HLM, à Quevilly Habitat notamment à l'époque, elle est allée se plaindre et j'ai donc été convoquée. J'arrive, j'avais pas de problème avec ça, hein. J'arrive et aussitôt, la personne qui me reçoit me dit, Madame Intel nous a signalé qu'il s'était passé ça, tout ça. Donc, je dis oui, j'explique ce qui s'était passé. Et la personne me regarde au bord du précipice et elle me dit, mais systématiquement,
Elle me dit, cet appartement-là dans lequel vous vivez, on n'arrive pas à garder les locataires parce qu'il faut savoir que c'est une personne qui est là depuis des années, qui se prend un peu pour le propriétaire. On a beau essayer de tempérer, de moduler le truc, mais systématiquement, elle fait vivre la misère à tous les locataires dans l'appartement dans lequel vous êtes. Et je me suis dit, j'ai autant de droits qu'elle, mon appartement, je paye tous les mois mon loyer, j'ai autant le droit qu'elle de parler sans avoir besoin de chuchoter ou de marcher sur la pointe des pieds dans mon logement. Je dis à un moment, il faut que ça s'arrête parce que je vais finir par commettre un massacre, hein, parce que vraiment, je peux t'assurer que même si tu as toute la bienséance qu'il te faut et que tu as reçu une éducation où on respecte les autres et compagnie, il y a un moment où ça te fout hors de toi. Et finalement, 6 mois après, j'étais partie. Je me suis pris une petite vengeance personnelle qui m'a apporté une satisfaction. La veille de mon départ, je lui ai fait une cruauté auditive, hein, pendant les dernières 24 heures. Bam, bam, j'avais chaussé les talons comme ça. Et je tapais, et je tapais, et je tapais. Et je faisais le ménage, et je tapais bien dans les sols, je tapais bien dans les murs. Je lui ai fait péter un plomb les dernières 24 heures. Il fallait, pour partir satisfaite, il fallait que je fasse ça. Et je suis partie satisfaite. D'ailleurs, la chose que j'aurais peut-être pas dû faire, mais que j'ai faite, puisque j'ai eu, quand j'ai posé mon préavis pour mon appartement, j'ai eu une visite d'un couple avec 2 enfants en bas âge. Je leur ai expliqué très clairement ce qui se passait. Et ben, ils ont refusé le logement. Je me dis très honnêtement que j'aurais aimé, bon, le locataire d'avant était parti aussi un petit peu, je l'ai su après, mais était parti aussi un petit peu, on va dire, à la va-vite parce que sa fille, donc c'était un monsieur seul avec sa fille, et sa fille c'était une adolescente de 16 ans. Elle, l'adolescente de 16 ans, elle n'avait pas pris sur elle et elle avait punché la bonne femme dans l'ascenseur aussi. Donc elle croisée dans l'ascenseur, la voisine du dessous avait dû lui dire un truc seulement quand t'as 16 ans. Bah, et tout ce qui implique tes 16 ans, elle lui a mis un coup de poing dans la gueule dans l'ascenseur. Ce à quoi je ne serais jamais arrivée, c'est pour ça que moi aussi j'ai préféré partir avant vraiment qu'elle me fasse siphonner, qu'elle me fasse péter un plomb et qu'elle me fasse faire des choses que j'aurais jamais fait. C'est vrai que je me plains beaucoup, le bruit machin, mais sincèrement je préfère mon bruit de route, je préfère une maison qui n'est pas aussi moderne, j'ai envie de te dire, que l'appartement que j'avais avant. Mais j'ai la tranquillité, mes voisins et moi on est vraiment branchés sur la même longueur d'onde, on s'emmerde pas et c'est mutuel, c'est-à-dire qu'ils ont un peu la même vision des choses, de ce qu'est le voisinage. Moi je te l'ai déjà dit, j'aime pas le... Je n'ai jamais été de celles qui font copinage entre voisins parce que j'ai le sentiment que la finalité c'est que ça donne jamais rien de bon. Voilà. Je connais des personnes qui ont fait copinage dans le voisinage et que ça s'est pas toujours très bien fini. Et puis ça me ressemble pas, c'est pas moi. Voisin, bonjour, bonsoir, on discute un peu à la barrière, on discute un peu aux boîtes aux lettres. Et franchement, moi ça me convient complètement. Voilà, c'est tout pour ce matin. Je vais aller me préparer, me laver, me préparer. Et il aurait fallu que je me motive et que je descende sur moi. Il aurait fallu. On va voir. Bonjour YouTube! Le calme et la sérénité. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2019, il est 9h30 et je m'en vais, je descends sur Rouen avec la plus grande démotivation possible. J'ai dormi cette nuit, je sais pas si j'ai dormi en fait. Oh la gueule, ça se voit sur mon visage, hein, tu me diras. Allez, je me réconforte, on est vendredi, ça me coûte de descendre sur Rouen d'une force, mais j'ai pas le choix. Et ce soir, j'ai danse. Donc ça réconforte un peu ce vendredi. En fait, c'est pas que ça me coûte d'aller sur Rouen, c'est que j'ai dû dormir une heure à tout péter et que là, c'est chaud, quoi. Si t'aimes les chats, t'es refait au rouleau ici. C'est joli, la diversité de l'architecture, hein, dans les petites rues de Rouen. Tu vois la particularité de Rouen, désolé si ça bouge un peu, ce sont toutes les petites ruelles où tu peux te faufiler. On t'évitera la nuit. Hein. Et c'est de cette herboristerie dont je te parlais, je crois dans la vidéo de la box évidence, quand je te disais que la crème pour les mains, elle sentait l'herboristerie. C'est celle-là.
donc celle-ci, mon petit cadet, c'est l'église Saint-Maclou de Rouen. Ah bah, Rouen est réputée quand même pour être la ville aux 100 clochers, donc on en a, hein. Eh ben oui, mes petits cadets, parce que chauvine comme je suis, j'en ai marre qu'on m'entende parler de Rouen que par le Brisol, parce que c'est pourri. Bah, Rouen, c'est joli aussi. Voilà. Défendons notre patrimoine rouennais. Si tu m'entends, là je me dirige vers la place Saint-Marc où normalement il y a une friperie, tu sais, de ta vente de fringues à l'étalage. Donc je vais aller voir si je peux trouver un peu de petites choses. Par contre, j'ai mis qu'un petit gilet et je me pèle la mulichetta. C'est rare que je filme en plein Rouen comme ça, mais bon, j'avais envie de te faire voir un autre aspect aussi que tout ce que tu entends actuellement. Même si c'est pas des conneries, hein. Mais voilà. Donc voilà, ça se passe ici, le marché. C'est le cloître Saint-Maclou. On visite pas nous. Dans le cloître Saint-Maclou, c'est très bizarre comme sentiment quand tu passes dans ce passage. Les petites rues du genre, en fait, t'as l'impression que ce sont toutes les mêmes. Il y en a tellement que t'as le sentiment de... Voilà, si tu connais pas Rouen et que tu viens pour la première fois, si tu prends les ruelles, tu vas te perdre. Donc voilà. On en parle de ce genre de petit chemin. Je fais ma femme, là. Mais la nuit, je prends pas ça, hein. Notre fabuleuse cathédrale. Celle-là, tu l'as bouffée plusieurs fois, merci monsieur. Tu l'as bouffée plusieurs fois dans mes vlogs. Hein. Oh là oui. Toute une allée marchande, H&M, Emma, Lepage, Sephora. Elle est couverte en plus, ce qui est plutôt pas mal par temps de pluie. Sephora juste devant. Armand Thierry, le printemps, que quand tu rentres là-dedans et que tu dépenses ton banquier, tu l'as sur le dos pour toute la vie. Le fameux Sephora, où quand tu rentres là-dedans et que t'es pas tiré à quatre épingles, le vigile te saute dessus. Le Rituals, cette boutique, elle est magnifique. Le Palais de Justice, aujourd'hui, on a quelques petites ventes antiquités, bouquins, mais je suis allée jeter un oeil, il n'y a rien de vraiment intéressant. Et l'espace du Palais, lequel je vais m'arrêter pour aller faire pipi. Rue du Gros Horloge, forcément. Donc là, je m'en vais à la Vie Claire pour essayer de trouver du savon de Marseille en copeaux sans huile de palme. Il y a rupture partout sur Internet. Pas trouvé ce putain de savon de Marseille en copeaux sans huile de palme, il y en a partout. Donc je me rentre, ça y est, midi et demi, je me rentre. Est-ce qu'on en parle de cette gênance ici là? Tu penses que c'est pas oppressant cette histoire là de chien statue derrière? Elle est posée sur la chaise quoi. C'est normal ça? Maman n'a rien, n'a pas de gâteau, n'a rien. N'a pas de biscuit, n'a rien du tout. Alors, cette petite visite, enfin, semi-visite touristique de Rouen, ça t'a plu, hein? Semi, parce que j'ai pas fait tout Rouen, tu te doutes bien qu'il y a encore plein de petits endroits à explorer. Mais je me suis dit, ma foi, ça me fait une balade, ça me fait de la calorie dépensée. Et c'était agréable ce matin. Enfin, dès lors que tu dépasses pas midi et demi, 13h sur Rouen, ça reste quand même agréable.
Je vais te présenter aussi le hall retour de Rouen, côté quantité. Tu vas pas te faire mal au rein. Alors, je me suis repris chez la vie Claire. Je sais pas si on dit Yogiti ou Yogiti. On va dire Yogi. Et dans le pire des cas, tu me corrigeras. L'infusion ayurvédique aux plantes Bonne Nuit. Je l'avais découverte, cette infusion, par le biais du swap de Noël l'an dernier avec Hélène LC. Et c'est un gros coup de cœur. Alors, toujours est-il que ça ne reste que des plantes. Et chez certaines personnes, semblerait-il que ça fonctionne. Moi, ça ne me fait pas dormir. Mais on va dire que de temps en temps, dernièrement et de plus en plus fréquemment, je coupe la télé le soir et je m'octroie des grandes soirées de lecture parce que ça me permet de m'éloigner des écrans. Je suis beaucoup sur les écrans par le biais de YouTube et quand j'ouvre la caméra, ça reste un écran. Et c'est vrai que de plus en plus fréquemment, je me fais des soirées lecture où je coupe tout. Je ne m'occupe même pas de mon téléphone et je dois avouer que je prends cette petite infusion-là et que ça m'apaise, ça me détend sans parler en termes de « ça me fait tomber comme une bûche ». Et j'aime bien aussi la tisane ayurvédique de chez Chai Tisane, mais malheureusement, elle est constamment en rupture de stock. Je suis allée plusieurs fois sur le site Chai Tisane et elle est systématiquement, peu importe le conditionnement, elle est en rupture de stock. Donc, je vais me contenter de ça. Je l'aime beaucoup et au niveau rapport de ce que j'en attends et du prix, on est bon puisque j'ai dû payer ça, je crois, 2,99€. Et j'en ai profité pour me prendre ces petites choses. Parce que j'ai aussi du thé et de la tisane, des infusions en vrac. Et avec ma cuillère doseuse, tu sais, j'ai une cuillère doseuse et il y a certains thés, certaines infusions qui sont vraiment très fines. Et je me retrouve, alors ça ne va pas me boucher le trou du cul comme dirait ma grand-mère, mais parfois je me retrouve avec des bouts qui sont passés de l'infuseur à la tasse et c'est toujours... Enfin, il y a des moments où ce n'est pas très agréable, ça te reste entre les dents et tout, ce n'est pas très agréable. Donc, je me suis pris 5 sachets thé réutilisables, lavables. Alors ça, pareil, hein, je l'ai payé une misère, je l'ai eu chez la vie Claire. J'ai dû payer ça 1,99€, je crois. Bon, moi, j'en ai 5. Comme ici, je suis toute seule en boire, étant donné que je suis toute seule tout court. Même quand ma fille, elle vient, elle a horreur de ça, elle ne boit pas de thé ni d'infusion. D'ailleurs, même le café, ce n'est pas son délire. Et je suis un petit peu déçue parce que je suis allée faire beaucoup, d'où ma petite promenade. J'ai joint l'utile, j'ai tenté de joindre l'utile à l'agréable parce que j'ai essayé de trouver, parce que j'en ai plus pour faire ma lessive, du savon de Marseille qui soit sans huile de palme. J'ai donc fait la vie Claire et tous les copeaux, les savons de Marseille en copeaux sont bardés d'huile de palme, tout, hein, même si on te dit oui, machin. Tu regardes d'ailleurs au niveau de la compo, paf, huile de palme. Je suis allée chez Bio C'est Bon, tous les copeaux, huile de palme, et j'ai voulu me rabattre sur des savons de Marseille où il n'y avait pas, tu sais, les blocs pour pouvoir au pire des cas les râper. Huile de palme, tous les magasins, j'en ai fait 3 dans Rouen parce qu'en même temps, on n'a pas non plus 36 magasins bio. Tous les magasins qui proposaient du savon de Marseille en copeaux, tous contenaient de l'huile de palme. C'est compliqué l'histoire de l'huile de palme, c'est compliqué. Et donc, ce qui revient malheureusement à dire que parfois, il y en a qui entrent en mode « Allez, c'est bon, je m'en bats, je ne vais pas passer 7 heures dans un magasin juste pour faire la lutte à un ingrédient. » Je peux l'entendre, hein, parce que franchement, notamment dans Bio C'est Bon, où il y avait un petit peu plus de choix, mais malheureusement, rien qui ne contienne pas d'huile de palme, j'ai perdu mon temps. Alors, j'ai rien à faire de mon temps, entre guillemets, mais... Quelque part, passer 35 minutes dans un magasin, regarder les compos, à faire les trucs et tout, je peux comprendre qu'à certains moments, certaines personnes, quand on parle en privé, me disent, tu sais, les compos, moi, j'ai pas une heure à passer dans un magasin à décréter toutes les compos. Je peux complètement l'entendre. Moi, j'ai du temps, je bosse pas, mais il y a des personnes, elles essaient de faire leurs courses en consommant raisonnablement, mais derrière, elles ont un boulot, elles ont des choses qui les attendent. Donc, je peux l'entendre. Quand je vois ce que j'ai vu, 3 magasins, et puis en plus, pas à côté, hein, c'est-à-dire que j'ai longé Rouen, hein, et que tu es obligé de décrypter comme ça parce que c'est pas clair, parce que pur savon de Marseille et compagnie, que nenni, hein. Sinon, revenons à nos moutons sur ce hall retour de Rouen. C'est tout. C'est tout. Je t'ai fait voir quand j'étais dans Rouen, je suis allée au... Alors moi, j'appelle ça le Clos. Je ne sais pas si ça s'appelle le Clos, mais j'ai toujours entendu cet endroit, le Clos, le marché que je t'ai filmé à Place Saint-Marc. Il y avait pas mal d'étals avec des vêtements d'occasion, de la friperie. Mais alors, j'ai trouvé... Hein, c'est, ça aurait pu être sympa,
mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque de respect. Une fois de plus, alors là, du fait, je pense, l'excuse que ce soit de la friperie en vrac comme ça. Mais alors, les gens, le mec, si tu veux, les mecs qui font la friperie comme ça en vrac, s'arrangent quand même pour mettre, par exemple, tous les frocs avec les frocs, tous les hauts avec les hauts, tous les manteaux avec les manteaux. Et les gens, dans leur splendeur, prennent un pull à dégager ailleurs. Alors, tu retrouves des pulls dans les manteaux, les jeans avec les jupes, les gens et leur manque de respect, c'est absolument ahurissant ce truc-là. D'ailleurs, tiens, sans transition, je vais en profiter pour, comme ça, je vais pouvoir m'en débarrasser. Je ne vais pas te foutre ça dans les produits finis, c'est chiant. Pour te faire le point, je vais te faire le point des infusions et des thés que j'ai terminés. Je me suis trompée. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose. Mais en fait, c'est celui-là qu'Hélène m'a offert et moi, j'ai pris celui-là. Je crois que je me suis trompée. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Alors, il y a quelques ingrédients qui se rejoignent. Oh, je suis déçue. Mais en même temps, je sais même pas si je l'ai vu, celui-là. Donc, moi, j'ai fini celui-là qui était celui qu'Hélène m'avait offert, le Nuit Calme de Yogi Biologique. Bon, bah, j'ai cru prendre le même et au final, j'ai pris le Bonne Nuit. Écoute, je vais tester, puis au pire des cas, je t'en reparlerai, savoir lequel des deux je préfère. Mais alors, celui-là, j'ai été très fan. Au niveau du goût, très, très bon et très appréciable. Et je te dis, bah, celui-là, du fait, celui-là, je sais pas. Mais en tout cas, celui-là avait un très fort pouvoir relaxant, apaisant sur ma personne. Ensuite, j'ai terminé, ah là là, je l'aime, c'est la tisane ayurvédique relax bio de chez Chai Tisane. Alors, si tu ne connais pas les infusions et les thés de chez Chai Tisane, il faut y aller. J'ai connu cette personne par le biais du test. Quand j'étais sur Instagram, j'avais fait un test pour les confitures de chez Home Fruit Home, qui m'avait fait découvrir cette marque de thé Chai Tisane. Et ça... Alors ça, au niveau du pouvoir relaxant, apaisement et tout, c'est limite très hallucinant parce que je crois que c'est l'infusion, la tisane qui m'apaise vraiment le plus. Le réel souci que j'ai, c'est que ça fait plusieurs fois que je vais sur le site, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, et que la preuve qu'elle doit bien fonctionner et pas que sur moi parce qu'elle est de façon quasiment permanente en rupture de stock. Et je te disais, ce peu importe le conditionnement, mais si jamais tu as l'occasion de pouvoir tester celle-là, parce que tu as des nuits un peu compliquées. Je ne dis pas que ça résout. Moi, je parle en termes d'insomnie. Mais si tu es un petit peu, tu veux t'apaiser un peu le soir sans avoir comme moi des soucis d'insomnie, ça, c'est très, très bien. Ensuite, j'ai fini ça. Mais why? Why? Le Happy, j'avais voulu goûter parce que je crois que c'était en promo. Happy Detox by Carelea, donc de la marque Léa Nature. Écoute, objectivement, au niveau du goût, ça passait. C'était pas très... Ça passait, hein. C'était pas très au niveau des saveurs. C'était pas ça qui est ça. Ma super détox, tu sais ce que je pense d'été mentionné détox. Pour moi, c'est de la pure connerie. Parce que de toute façon, même si tu fais beaucoup pipi et que tu te dis j'élimine, certes, ça peut pas faire de mal non plus. Mais quelque part, si on compte là-dessus en termes de perte de poids... Des os, mais pas des os, mais il s'agit de perte hydrique. Et la perte hydrique, on sait ce que c'est. À partir du moment qu'on s'hydrate, la perte hydrique, tu la reprends. Donc voilà, c'est moi pour moi, je trouve. Hein, après, ça n'implique que moi ce que je dis. Mais pour moi, le terme détox ne devrait même pas apparaître sur quoi que ce soit comme thé. D'ailleurs, il faudrait que ça, ce soit vraiment réglementé parce que je trouve qu'il y a quand même de l'abus. Et puis pour moi, la meilleure des détox, c'est de boire de l'eau. Je n'avais pas grand-chose. Hein. J'ai terminé donc cet été cette infusion Aurore de Provence Gambette Mignonnette. Alors, je vais te dire, ce thé ne passait absolument pas chaud. Je trouvais que le goût était atroce. Je te rappelle que dans tout ce qui est tisane, infusion, thé, je ne mets pas de sucre. Je mets du sucre nulle part. De toute façon, une fois que tu as imprimé ça, tu as tout imprimé. Je n'ajoute de sucre. Déjà, rien que l'idée de penser au sucre, le carré, le toucher. Je pense que je déteste le sucre brut, autant en bouche qu'autant toucher la matière. C'est vraiment une matière rebutante. Mais par contre, en version glacée, tu fais infuser, tu laisses au réfrigérateur, alors c'est top. Mais alors, au niveau d'aller à la toilette,
Alors là, pour te faire pisser, le mec, il te fait pisser. Hein. Ah, bah ça... Mais je suis déçue, je me suis trompée. Et j'étais convaincue que c'était bonne nuit. C'était pas bonne nuit, c'était nuit calme. Oh. 14h26, pardon. Et je vais aller faire un petit truc. J'ai des boxes vides, de la box évidence, et je voudrais essayer... d'en profiter, je voudrais essayer d'en faire quelque chose, j'en ai vraiment beaucoup hein, de boîtes vides de la box évidence et je voudrais essayer de me faire un petit quelque chose pour mettre dans ma salle de bain, une sorte de petite étagère mais en gardant les illustrations que j'aime beaucoup chez la box évidence et la box évidence je crois maintenant ne va plus faire que par le biais de pochons. Donc, j'ai pas envie de jeter ces boîtes parce que je te dis, j'aime beaucoup les dessins dessus. Je vais essayer d'en faire quelque chose. Et si j'y arrive, je te montre une fois que c'est fait et que c'est prêt. Donc, moi, je ressors pas avant 7h15 pour aller à la danse ce soir. Donc, ça va, j'ai le temps de bricoler un petit peu. Je te montre si j'y suis arrivée à tout à l'heure. Bon, ça y est, tout est en place. J'ai fini ce que je voulais faire. Ma foi, j'aime beaucoup et je te montre. Donc, voilà ce que j'ai réalisé avec... les boîtes de box évidence. Je me rapproche. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ça s'appelle un tour du propriétaire en dansant. Et voilà. Voilà, l'angle est pas mal ici. Donc, c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir des petits rangements. Et ça plie pas. Ma foi, ça a l'air de tenir. J'ai attendu quand même pas mal de minutes avant de te filmer. Pour voir si j'entendais pas bam 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 tout se casser la gueule et pas du tout. Et en plus, ça me permet de ne pas jeter mes box et ça me permet de mettre un peu de couleur dans ma salle de bain qui, ma foi, est bien blanche et fait bien laboratoire. Donc écoute, je suis très contente. J'ai mis mes petits produits dedans. Voilà, mes petits produits usuels et habituels. Je suis très contente du résultat. C'est exactement ce que je voulais. Donc écoute, à partir de là, on est pas mal. Donc pour d'autres box, là, je suis en cours de finition. Il faut que je trouve des attaches parisiennes pour faire mes petites poignées sur d'autres box. Et je les ai faites comme ça parce que je voulais vraiment garder le sens de l'illustration. Et de l'autre côté, hop, de l'autre côté, on est comme ceci. Voilà, tu vois, pour mettre, je voudrais mettre dedans à l'abri des pinceaux, des choses qui ne prennent pas la poussière. Et puis, une fois de plus, ça me permet d'utiliser, j'ai fait un petit dessus comme ça. Ça me permet d'utiliser mes box à bon escient et pas de les foutre en l'air et pas de créer de déchets. Alors forcément, ça reste quelque chose qui a été fait manuellement, donc c'est pas parfait, mais en même temps, j'ai envie de dire que je cherchais pas spécialement la perfection. Je te ferai voir une fois fini quand j'aurai, il y en avait pas à Super U des attaches parisiennes, quand j'aurai installé les attaches parisiennes. Voilà, j'ai fait ça de cet après-midi. En même temps, j'ai pas mis longtemps parce qu'il doit être, écoute, il doit être 16h, je pense. Je te reprends ultra rapidement parce que là, d'ici 10 minutes, je m'en vais prendre mon bus pour aller à la danse. Je voudrais faire une petite précision parce que j'ai eu un commentaire qui, sous la vidéo de la box évidence, qui m'a dit « c'est trop long, enfin dommage, c'est trop long ». Alors, je sais que tout le monde ne connaît pas trop ma façon de procéder et je voudrais justement te parler, si tu es nouveau ou nouvelle ici, te parler de ma façon de procéder, notamment sur les vidéos. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux le mois pour tout te dire. Mais éventuellement, si je venais à te présenter d'autres bugs, je voudrais un petit peu te parler de ma façon de procéder très rapidement. Je ne veux pas en faire des caisses, mais c'est juste que je ne conçois pas pour ma part, après ce qui se passe chez les autres ne me regarde pas, mais je ne conçois pas pour ma part recevoir une box. Je le fais juste pour la Glam Bag Plus parce que, étant donné que les produits, très rarement tu peux les retrouver en France, je ne vois pas donc l'intérêt de te faire un roman sur l'histoire des marques. Mais sur les box françaises, ce sont des produits qu'on peut retrouver. Donc je trouve, pour ma part, et je ne me vois pas faire uniquement la speakerine quand je te présente des box beauté, parce que ça ne me ressemble pas, parce que ce n'est pas moi. Et je trouve, notamment puisqu'on parle de la box évidence, je trouve que c'est un échange de bons procédés. La box évidence a le respect de m'envoyer une box gratuitement depuis maintenant de nombreux mois. La moindre des choses, je trouve, quand on reçoit les choses gratuitement, la moindre des choses, c'est de travailler un peu ce que l'on reçoit. Je ne suis pas là pour faire un tour de manège et
faire la speakerine en présentant juste des produits, je me réserve ça pour les produits terminés. Voilà, où je me prends le droit de ne pas rentrer dans les détails parce que je t'ai peut-être déjà parlé de ces produits-là en amont et puis parce que ce sont des produits terminés. Et si j'estime que dans les produits terminés, je veux pousser un peu plus loin, je le fais. Maintenant, il est clair, il est net que si tu n'es pas le genre de personne qui aime les vidéos plutôt longues, plutôt développées, ou peut-être il y a un travail en amont, ici, tu n'es pas à la bonne place. Voilà, je voulais juste faire ce point-là pour préciser que si tu aimes les vidéos présentations de box qui font entre 5 et 8 minutes, pour sûr, on va se souhaiter bonne continuation mutuelle parce que ici tu ne seras pas à ta place. Et c'est sûr qu'une présentation d'une box à 20 minutes, ça va vite te gonfler. Alors, je voudrais vraiment faire ce point-là parce que j'aime la façon dont je présente les box. J'y mets du cœur, je prends plaisir à le faire et il est hors de question que ça change. Donc à partir de là, si on n'est pas raccord par rapport à comment je présente les box et comment je veux parler des marques et des produits, il faudra alors aller ailleurs. Comment puis-je te dire que je suis éclatée ? Je vais à la danse, ça me réconcilie presque avec ma fatigue. Bien marqué hein, le dessous de l'œil. Hein. J'ai pas arrêté aujourd'hui, j'ai pas arrêté à bon escient. Mais j'ai pas arrêté. Par contre, on va arrêter le vlog un peu plus tôt parce que demain, je suis de préparatif et de soirée d'anniversaire. Donc je pense qu'on va se quitter ce soir, après la danse, quand je serai rentrée. Enfin, préparatif, tout est relatif quand même parce que ça se fait pas chez moi. Donc, mais bon, demain, j'ai les courses, ça va être une journée et je crois pas que je vais avoir le temps de... d'allumer la caméra du téléphone, je pense pas. À vrai dire, je dors pas très bien en ce moment. J'ai gagné en quantité, mais pas du tout en qualité. Je pense que mes lectures sont pas anodines non plus, hein, parce que je fais pas mal de cauchemars, toujours et encore. Le bus, mène-toi la chaude. Quel périple! Bus en panne, bus trop long, bus tout court. Ça y est, me voilà sur place. Et je suis même un petit peu en avance, dis donc. Donc voilà. Ça me rend pleine de joie d'aller faire mon cours de danse, vraiment. Même si j'en ai pas l'air comme ça, j'en ai la chanson. Expression 2724. Là, bah, concrètement, en termes de luminosité, on s'est totalement perdu. En 100 minutes de temps. Bon, ça y est. Il est... Il est un peu plus de 21h30. J'attends le bus qui passe dans un quart d'heure. Je te cache pas qu'à cette heure-là, je suis pas super rassurée. Hein. Le public est pas le même à cette heure-là. Même si je suis dans une suite de communes relativement calme, je suis pas rassurée. Le cours de ce soir, alors là, ça a vidé les dernières piles qui me restaient. Mais alors, j'ai kiffé. Mais je m'épanouis de ouf sur un cours de danse d'une heure un quart. Je m'épanouis peut-être plus que mes cours en salle de sport, c'est con à dire, hein, mais je m'en suis rendu compte, je me le suis dit en dansant, je me suis dit, mais en fait, je m'éclate carrément plus en une heure un quart qu'en deux heures de cours près à la salle. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions pour septembre prochain. Et en plus, il y a d'autres constats, parce que c'est vrai que le premier cours, ça s'est plutôt bien passé. Je vois des camionnettes et tout passer, je suis en stress. Ça s'est plutôt bien passé avec le miroir, mais je m'aperçois que plus les cours passent et moins j'ai de problèmes avec... avec le miroir. Donc, ouais, j'ai l'impression que je m'épanouis beaucoup plus en pratiquant la danse qu'en faisant mes cours de sport. Fallait que je fasse la danse pour m'en apercevoir parce que j'étais très bien dans mes cours de sport. Je le suis toujours très bien. Mais la danse, ça te file la banane, ça te réconcilie un peu avec certaines zones du corps. Ça n'a rien à voir en fait. Et tu sais pourquoi ça me réconcilie? Je trouve que ça me réconcilie, ça m'aide à la réconciliation avec mon corps parce qu'en fait, plus ça va, au début, je me suis dit, putain, le regard des autres. Et en fait, plus ça va, et je prends tellement de kiff que finalement, je me dis, même si on a qui pensent si ça, eh ben, je m'en bats la schneck. J'ai pas le regret hein, de pas m'être inscrite à d'autres cours à la danse, simplement parce que je suis engagée avec la salle de sport, parce que quand ils m'ont reconduit le contrat, que je suis passée à 40 balles le mois, à 29,90, j'ai re-signé pour 2 ans. Donc quoi qu'il en soit, je vais pas payer la salle de sport pour rien. J'ai de la baffe sur les côtés, non? Je suis pas payée la salle de sport pour rien et je suis engagée. Mais l'an prochain, ouais, à la rentrée septembre 2020, je vais me poser les bonnes questions, savoir si je vais pas vers que du cours de danse en prenant plusieurs. Putain, je te jure, le moindre bruit, je suis en stress total. Et arrêter la salle de sport au final parce que pff, sur un quota plaisir, il faut dire qu'aujourd'hui, je fais le sport pour le plaisir et pas pour, comme je fus à une époque,
ça n'a rien à voir. Là, tu vois, tu as la petite... je tremble, hein. Je suis désolée si tu tremblouilles un peu, mais... c'est-à-dire que quand je prends un cours dedans, je joue ma vie, hein, très honnêtement. Mais tu as le petit truc en plus, c'est que tu prépares des galas. On a un gala pour le Téléthon et on a le gala de fin d'année, enfin le spectacle si tu préfères. Et c'est le petit truc en plus, la petite finalité de ton boulot. Tu sais quoi, hein, sur un point de vue intensité, là je ne sais pas voir, mais je suis trempée. Hein. Je joue... en fait, la danse, c'est toi qui la suggère. En fait, on est un groupe de danseuses, de filles qui dansent, parce qu'on n'a pas de mecs hein, au cours. Hein. Non, on n'a pas de mecs. Mais en fait, l'intensité, c'est toi qui la mets. Chacun. Et moi, je joue ma vie, hein. Très clairement, je joue ma life. Si je peux filmer le spectacle, parce que là, j'ai absolument pas le droit de filmer, d'autant qu'on a deux personnes dans le groupe qui ont absolument pas autorisé, je sais pas comment elles vont faire au spectacle, parce que les gens vont prendre des photos, mais elles ont pas autorisé, on nous a mis en garde de pas filmer, parce que ces deux personnes-là, elles voulaient apparaître nulle part, ni en vidéo, donc là, autant te dire qu'au niveau film et compagnie, à part moi toute seule, c'est pas possible, de toute façon, c'est prendre un risque, hein. Et moi, je le prendrai pas, parce qu'avec la poisse que j'ai, à tous les coups, c'est le pompon. Mais qu'est-ce que je te disais? Ouais, je te disais après, chacune ses possibilités. On a dans le cours où je suis, on a du très bon niveau. On a du niveau normal, moyen. Et puis bon, on a des personnes qui sont vraiment là pour le loisir. Moi, concrètement, je joue ma vie. Je te dis, je joue ma vie. Alors, si tu veux, j'ai autant d'intensité que sur un cours de sport. J'irai pas jusqu'à te dire sur un body combat, parce que le body combat, on est loin, très loin. Mais le plaisir rattrape le reste. Voilà, le plaisir, le kiff que je prends en ayant repris la danse, je crois que tu l'as compris. Sinon, changement de sujet, tout à fait. Il fallait absolument que je te fasse un clin d'œil là-dessus. La société comme j'aime, c'est comment? C'est comment? Ah bah, fallait bien que ça vous tombe sur le coin de la gueule à mentir aux potentiels clients. Ça, c'est bien. J'ai vu, j'étais pas trop branchée sur les infos et compagnie, et j'ai vu que comme j'aime, c'était fait attraper rapport à la semaine gratuite. J'ai juste une chose à dire, bien fait pour vos gueules. Sinon, le bus, remène-toi à la chaude parce que j'ai un petit peu peur. Je suis pas rassurée. Ah, c'est très bizarre, c'est une autre atmosphère à cette heure-là. Et j'ai une dalle, mon cadet, une dalle, tout est prêt. Hein. Mais une dalle, oh ! Il arrive, mes petits cadets. Je te reprends tout à l'heure, je prends ma douche, je mange et je te fais un petit coucou. Et après, je vais clôturer le vlog exceptionnellement vendredi soir, parce que demain, je pense que si je clôture demain, je ne vais pas avoir le temps de le monter. Tu vas avoir le vlog dimanche à pas d'heure, donc je vais clôturer tout à l'heure. Je te reprends tout à l'heure, le bus arrive. Bonjour, nous sommes le samedi 12 octobre 2019. Ouais, hier soir, je t'ai dit... on coupera le vlog vendredi, mais ce qu'il y a, c'est qu'hier soir, je suis tombée. Comment tu dis? Alors, pas comme une bûche, plutôt comme un caca. Donc, j'ai pas eu le temps de te faire au revoir, tout ça et compagnie. Et il n'est pas question de couper le vlog, sauf en cas de force majeure. Mais je vois pas ce qui pourrait... si, il y a des choses qui peuvent faire que tu coupes le vlog comme ça. Mais je t'avais dit que je te ferais un bisou avant de partir. Donc, on va y passer ce matin. Il est 8h... J'ai bien dormi, c'est un film. Et là, j'ai vraiment bien dormi. J'ai eu la qualité et la quantité. Yes! Et puis surtout, t'entends, Luna? Je ne pouvais hier te quitter sans te montrer ça. Qui a dit Gargamel? Tu sais qui c'est qui m'a envoyé Gargamel et Azrael? Cali cali pipiche, cali cali piche piche, cali cali pipiche, cali cali piche piche. Voilà, comme ça, tu l'as bien dans ta tête toute la journée. C'est Makeli Pichas qui m'a envoyé un pop animation Gargamel, ou animation pop, pop animation. Voilà, alors Makeli Pich, ma petite Aude, merci, parce que lui va intégrer mon pseudo décor quand je filme des vidéos là-haut. Puis je trouve que, je pense que Gargamel, c'est mon frère. On se ressemble quand même un peu. Pas trop d'un point de vue dentition, mais on se ressemble. Et tu sais quoi? Je connaissais pas ces trucs là et hier je suis allée à Rouen et je suis allée à la Fnac et j'ai vu qu'il y en avait plein partout et je pense que va falloir que je m'en procure d'autres. Je connaissais pas, je risque pas de l'avoir en doublon, j'avais jamais eu ça. Oh, attends, je te fais un unboxing. Et n'est-il point joli? Oui, je trouve quand même qu'il y a un petit air de famille, hein.
trop classe. Franchement, trop classe. C'est de la belle figurine. Hein. Je trouve ça vachement bien fait. Je le trouve trop beau. Voilà. Donc lui, je vais le trôner fièrement. Je vais le trôner fièrement derrière moi. Il faut que j'y trouve une place où tu le vois. C'est obligé. Mais tu vois, si on doit parler d'Instagram, et même que je ne reviens pas sur mes propos, Instagram ne me manque pas, mais alors pas du tout. Mais par contre, certaines personnes sur Instagram qui évoluent essentiellement, parce que Calipiche, elle a une chaîne YouTube, mais c'est vrai que, bon, j'y suis plus, je ne sais pas comment elle se comporte maintenant sur Instagram, mais quand j'y étais, Calipiche évolue beaucoup plus sur Instagram, et ça fait partie, Aude fait partie des personnes qui me manquent, que je n'ai pas de nouvelles, que, voilà, fait partie des personnes qui me font chier d'être partie d'Instagram, parce que ces personnes-là, j'ai plus de nouvelles. Donc merci ma petite Calipiche, si jamais tu venais à passer sur cet énorme contenu, mais ça me fait super plaisir, c'est mon tout premier, j'en avais pas d'autre avant, et qui plus est, c'est Gargamel, alors là, c'est carton plein. Hein. Ça fait du bien de s'étirer la couenne. Ah, le matin, surtout qu'hier à la danse, on a beaucoup de... Là, on a beaucoup de travail au niveau des bras, tu sais, beaucoup de... Hop, 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 un peu... une sorte de voguing sans que ça en soit un, mais il y a beaucoup de, tu sais, puis quand tu fais des mouvements de bras et que tu fais de la danse, on est beaucoup dans la tenue, tu sais, la posture, donc faut pas que ce soit comme ça, faut vraiment bien tenir, enfin on a beaucoup de mouvements de bras, d'épaules, et aujourd'hui je me sens un peu comme Robocop, et en plus sans le vouloir à la danse, je te jure, les filles elles me foutent une pression de ouf, parce que bah, on a un petit peu le placement libre et moi j'aime bien être devant pour voir ce qui se passe, pour bien incorporer les pas, pour bien adhérer aux pas. Et t'as les filles derrière à chaque fois qu'on doit recommencer, parce que tu montes la choré et tu recommences à chaque fois. Jenny, tu te trompes pas, hein. Jenny, je te regarde, hein. Jenny, allez, vas-y. Les filles, je suis pas prof, hein. Je suis comme vous, je suis en apprentissage. Mais c'est vrai que sans aucune prétention, sans aucune vantardise, c'est vrai. Je vais être honnête, j'ai choisi le cours du vendredi plutôt que du mercredi parce que pour moi, ça me permettait de me libérer mon mercredi pour mon Shebam et mon Body Attack parce que, comme je te l'ai dit hier, je paye mon abonnement de sport et que si je prenais le mercredi en danse, ça me flinguait quand même 2 heures au niveau de la salle de sport et que je paye, hein, je ne veux pas payer pour aller passer devant la salle puis lui sourire. Mais... côté niveau technique, pour être sincère avec toi, je me balade le vendredi, je me balade. Ça aurait été plus un défi pour moi le mercredi où là, c'était vraiment le gros cours. Je te dis, le cours où limite tu viens là, tu ne fais pas que jouer ta vie, tu passes complètement un casting. Mais bon, je me dis que pour une reprise, cette année, c'est la reprise, reprendre par... une certaine aisance, c'est peut-être pas plus mal pour l'an prochain. Finir, fallait aussi que, avant de couper ce vlog, parce que là, je pense qu'on est sur un vlog clairement plus de 2 heures, je voulais aussi revenir sur un second point que je voulais faire. Hier, je t'ai fait le point rapport à ma conception de fabriquer mes vidéos box. Je voulais faire un deuxième point parce que dans la FAQ, je crois, la partie 2 de la FAQ, j'ai reçu une question qui me demandait, qui voulait un petit peu savoir comment ça se passait dans les coulisses YouTube et très particulièrement sur les interactions, les échanges entre YouTubeurs, YouTubeuses. Question à laquelle j'ai répondu que y en avait quasiment pas et il semblerait que ça a beaucoup bousculé certaines d'entre vous parce que j'ai reçu des commentaires, je crois, et des messages. Catherine Le Gorge. Qui m'ont dit « Mais tu t'es embrouillé avec des personnes, tu t'es engueulé avec des personnes, parce que quand je te dis qu'il n'y a pas... parce que je crois qu'on ne prend pas l'interaction et l'échange de la même façon. Je me suis embrouillée avec absolument personne. Je t'ai dit, l'embrouille sur YouTube, ça ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que si je m'éloigne d'un univers de quelqu'un, d'une YouTubeuse ou d'un YouTubeur que je suis, et que je trouve que ce que la personne propose ne me correspond pas, je m'en vais, je ne fais pas des esbroufs, ça ne sert à rien. On n'est pas des sauvages, on n'est pas en cours d'école primaire. Je ne vais pas aller voir la personne. Mais moi, je m'en vais parce que j'aime pas du tout ce qu'elle dit. Bon, moi, ça me fait chier parce que j'estime que si je suis gênée, c'est à moi de partir. La personne, elle propose son contenu, elle est bien dans ses bottes, c'est à moi de m'en aller si ce qu'elle propose ne me plaît plus. Puisque là, tu me suis. Maintenant, en termes d'interaction, d'échange entre les youtubeurs et youtubeuses,
si pour toi la question elle était tournée dans le sens est-ce que de temps en temps vous discutez ensemble, je te répondrai oui, de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Après, si ta question elle était juste est-ce que vous échangez régulièrement, vous partagez un peu, vous parlez des créations et de trucs de l'autre, la réponse est non. La réponse est non. L'interaction, moi, je la vois sous forme d'échanges soutenus, réguliers. Si je te réponds, à part, je te disais, avec Emma Dolly, parce qu'on parle en particulier, en privé, et de tout sauf de YouTube, à vrai dire. Mais sinon, en général, non. Je ne peux pas te dire qu'on a un échange régulier, mais ce n'est pas vrai. D'autant que depuis que je n'ai plus aucun réseau social, c'est encore pire. On avait avant, il y a longtemps, quand j'avais encore... mon compte privé à moi, à mon nom, prénom, Facebook, où on avait créé en fait une grande discussion. Peut-être qu'elle existe encore, mais moi j'en fais plus partie, étant donné que je n'ai plus de compte privé Facebook. Mais il y en avait à cette époque-là où on se donnait nos petits points de vue, on débattait sur certaines choses. Mais aujourd'hui, et je te parle de ça, il y a peut-être facilement un an et demi, peut-être, je ne sais plus trop... Mais maintenant, non. La question me l'a posée dans un, dans un timing précis, non. Mais pour autant, et pour répondre à l'autre question que certaines se sont posées, non, il y a embrouille avec personne. Embrouille de quoi? Enfin, je veux dire, j'arrive sur mes 42 ans. N'omettons pas quand même que même si YouTube fait partie intégralement de ma vie, on est sur YouTube. On est censé être là pour du divertissement, tout est relatif, mais... Enfin, je veux dire, je me suis cassée d'Instagram et de tout ce qui pouvait m'amener du mauvais. Je ne vais pas chercher la merde sur YouTube et j'ai pas envie qu'on me cherche la merde. De toute façon, à partir du moment où si quelqu'un un jour vient me chercher la merde, c'est bloqué, c'est dégagage et point final. Voilà, je ne suis pas là pour créer de la merde ou pour qu'on en crée pour moi. Voilà, chacun en sa cam. Je ne suis pas contre une discussion. Je ne suis absolument pas contre des échanges entre YouTubeurs et YouTubeuses. Mais par contre... ici, j'aspire à être peinard, donc je voudrais qu'on respecte ça, et c'est aussi pour cette raison que je fous la paix aussi, si ça me plaît pas, si le contenu me gêne, ou si je suis plus raccord avec le contenu des personnes que je regarde, je m'en vais. ça simplifie tellement les choses, en fait. Tu sais, je vais te dire un truc très très personnel, parce que justement, l'époque où je faisais partie d'un fameux groupe de discussion, parfois, je me dis que, en fait, c'est mon aspect solitaire qui ressort et qui fait que peut-être ça me fait penser comme ça. Mais je me dis que parfois, tu penses être dans une discussion et tu fais des échanges et compagnie et que tu es bien dans le groupe. Et en fin de compte, derrière, il y a quelqu'un qui vient te voir en te disant « t'es parti du groupe, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça ». Bon, hein, laisse passer, de toute façon, garde la pêche et croque dedans pour voir si ça te fait du bien. Mais parfois, tu t'intègres un groupe de discussion entre personnes qui font, on va dire, qui sont sur, peut-être pas pour les mêmes raisons sur YouTube, mais en tout cas, qui font à peu près la même chose que toi avec des sujets différents. Et puis, tu dis, oh, je suis bien, on échange et tout. Et puis, au final, tu apprends que quand tu t'en vas, crac, 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 cassage de sucre sur le dos. Alors, je vais te dire, faire ma route en solo, honnêtement, je suis pas contre. Hein, on vient discuter avec moi, je suis très bonne patte là-dessus. Hein. Mais si tu intègres un groupe et pour que derrière, quand tu t'en vas, on ne sait pas quoi dire sur ta gueule ou on te colle un truc, qui ne te ressemble pas particulièrement, bah merci, mais non merci, quoi. Vous savez, hein, d'ordre général, je pense que je n'aurais pas besoin de YouTube si un jour il y avait quelque chose qui se passait mal et que j'avais, entre guillemets, attention, là je le fais. Je le fais, le geste moisi, parce qu'il faut le faire. On n'est pas sur YouTube pour régler des comptes. Qu'est-ce que c'est, Booba Carré, sortez de ce corps. Mais si un jour, il y avait un truc qui se passait, que j'entendais vraiment des choses qui vont loin, parce que oui, j'ai déjà entendu des choses qui auraient, et je parle au conditionnel, qui auraient été dites sur moi, comment te dire, que j'ai pas relevé, bah c'est dit, tant pis, je m'en vais, va-t'en, et puis trace ta route, et puis on est très bien. J'ai toujours été comme ça, je ne m'emmerde pas avec des futilités, parce que les personnes imaginent te connaître, parce qu'ils ont partagé 2 mois de discussion avec toi. Ouais, non, tout est relatif, quoi. Donc, je suis pas du genre à régler mes comptes sur YouTube. Et si je devais en régler un jour venant, parce qu'on ne sait jamais, je ferais pas ça. Voilà, je m'adresserais à la personne. Et je pense que
Le problème, parfois, si en tant qu'abonné, on ressent certaines tensions entre les youtubeurs, c'est parce que les youtubeurs exposent ça. Il y a des choses qui devraient se passer en privé, des choses qui nous froissent, qui ne nous plaisent pas, qu'on devrait régler en privé, mais on va s'appuyer, on va servir de tremplin par le biais de sa chaîne YouTube pour régler nos petits comptes. C'est moisi, c'est pourri. Tu sais, je pense aussi qu'il ne faut pas voir le mal partout. C'est pas parce qu'à un moment, tu t'aperçois qu'il y a peut-être un peu moins d'interactions. Et encore que, me concernant, ça doit être très difficile de t'apercevoir si interactions, échanges, il y a ou non. Puisque c'est vrai qu'en général, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Mais je n'ai pas cet automatisme de laisser un commentaire. Je laisse mon pouce. Et je m'en vais. C'est vrai que parfois oui, parce qu'il y a des choses qui m'interpellent dans les vidéos. Par exemple, la dernière vidéo où j'ai laissé un pavé, c'était sur la dernière vidéo de Jimmy Falcon qui m'a beaucoup touchée, où j'ai laissé un commentaire en lui disant, voilà, en gros, il expliquait, je ne sais pas si tu le suis, moi je suis depuis longtemps, ça fait partie des youtubeurs hommes que je suis depuis longtemps, et on prend ses petites habitudes. Et il a fait une vidéo à cœur ouvert en fait, et ça m'a beaucoup touchée. Et donc là, oui, là c'est vraiment des choses qui peuvent concerner beaucoup de youtubeurs. Sa vidéo, je me suis dit, mais un jour peut-être que je pourrais ressentir ça aussi. Je touche du bois, hop, peut-être qu'un jour je pourrais ressentir ça. Et je trouve que voilà, clairement dans sa vidéo, c'était, je dirais pas que c'était un appel au soutien, mais tu sentais que le mec il avait besoin. Je te dirais pas d'être rassuré, le mec il a quand même plus d'un million d'abonnés, je crois. Mais je me dis que c'est pas parce que t'as un million d'abonnés que t'as pas le droit d'être en souffrance à un moment donné. Même si, en toute objectivité, j'ai du mal à comprendre, vraiment, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse se mettre à mal pour une chaîne. Vraiment, vraiment, je le dis, mais j'ai trouvé que lui, à ce moment-là, il avait besoin, voilà, laisser un petit commentaire, ça mange pas de pain, j'ai trouvé qu'il avait besoin un peu de soutien, ne serait-ce que verbal. Même si je comprends très bien tout ce qu'il m'a dit, mais je me suis dit, sa vidéo, elle a évoqué une réflexion en me disant, mais si un jour je ressens ça juste pour ma chaîne YouTube, c'est valise, bagage et départ. Hein. Ah ouais, jamais je me... On parle limite de dépression. Dépression pour une chaîne YouTube et tout ce qui se passe, qui gravite autour. Jamais de la vie. Ah non, je te le dis, jamais de la vie. Jamais. Après, voilà, je pense qu'aussi, il y a des enjeux. Moi, je parle, mais j'ai une chaîne qui a combien ? On est 11 000. Il y a des enjeux. Il y a peut-être de gros enjeux d'ordre oseille et contrat et compagnie derrière. Tu peux pas comparer mon ressenti à moi avec ma micro-chaîne et le ressenti de quelqu'un qui a une chaîne qui a plus d'un million d'abonnés. C'est vrai que bon, bah, pour comparer ça, c'est impossible. Mais je crois, pourvu que je ne change jamais, mais je crois que me mettre vraiment à mal et à parler en termes de dépression pour une chaîne, c'est vraiment, ça me fait de la peine, parce que je me dis, on parle d'une chaîne YouTube, si demain tout s'arrête, comment ? Si demain tout s'arrête, tous les enjeux, YouTube s'arrête, stop, terminé, on ferme, c'est fini. Comment les personnes vont vivre ça ? Enfin, quand je vois que YouTube fonctionne très bien, qu'on est à l'apogée de YouTube et que ça génère pas mal de fric, c'est vrai que les pubs ont pris une place considérable et tout ce qui va à côté, sans compter que les grosses chaînes comme ça, elles palpent en plus. Si demain, et qu'on parle là à l'heure où mon volet a fait un malaise, j'ai oublié de l'accrocher, on parle à l'heure de dépression, alors que YouTube fonctionne, qu'est-ce qui va advenir de ces personnes-là si un jour YouTube devait dire stop, terminé, on ferme les portes ? Là, c'est ce truc-là qui me fait peur. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Enfin bref, tout ça, tout cet éparpillé, tu m'étonnes que ce vlog va faire 2 heures, c'était pour te dire que non, je ne suis en embrouille avec aucune personne, aucune autre YouTubeuse, aucun YouTubeur, mais que quand j'ai dû répondre à cette question... En ce qui concerne les échanges entre youtubeurs et youtubeuses, j'allais pas te dire « Ah ouais, on se parle tous les jours ». Non, c'est pas vrai. Le but d'une FAQ aussi, c'est de te répondre le plus objectivement possible et pas d'empler autour. De toute façon, j'ai pas l'habitude de broder de la dentelle autour de ce que je dis. Je vois pas pourquoi je le ferais dans une FAQ. Non, c'est pas vrai. Mais pour autant, ça veut pas dire non plus que je suis en embrouille avec certaines personnes. Non. Il y a où il se passe rien et c'est très bien, chacun fait sa route. Ou parfois, il y a des petits échanges comme ça, brûle pour point, mais il n'y a absolument pas d'embrouille. En tout cas, moi, avec quiconque, peut-être que quelqu'un est en embrouille dans sa tête avec moi, mais moi, en tout cas, je suis en embrouille avec personne. C'est au moins une chose qui est claire. Bon, cette fois, mes petits cadets, je vais y aller parce que je te dis, là, après, je vais finir le montage
Et comme ça, tu auras le vlog en temps et en heure. Parce que je sais que quand vous ne l'avez pas à 8h le dimanche, ça vous frustre. Alors comme ça, je vais pouvoir faire les choses convenablement. Écoute, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Et jusque-là, bah, portez-vous bien. Des bisous.